Ah là là. Alors, test son, on va commencer par un test son. Alors que je vois dans le chat, va-t-on parler de canard PC? Non, incroyable. Non, non, moi, c'est le seul débat, du coup, où je ne vais pas pouvoir parler, malheureusement. Alors, attendez, hop, on va directement passer en mode full cam. Salut à tous, profitez-en, voilà, comme on dit dans l'oreillette. Malheureusement, oui, non. Je vais avoir un petit peu de mal, du coup, à parler de ce sujet parce qu'en plus, il y en a un très très lourd qui s'annonce. En tout cas, bienvenue à tous. Ça va taper fort, bah, j'espère en tout cas que vous serez nombreux à réagir dans le chat hein, suite à tout ça. Parce que la presse mainstream, bah, c'est con à dire, mais c'est vous qui la faites. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. En tout cas, je vois que mes collègues, du coup, dans les coulisses, sont prêts. Et du coup, je vous propose, ben, sans plus tarder, vu qu'il est 19h30 pétante, qu'on démarre ce XR 360 à l'heure pour une fois. Live Allez, normalement c'est tout bon, nous sommes en live et nous sommes donc tous les quatre. Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau XR 360. On est très heureux de vous retrouver et je le suis d'autant plus car ça y est, enfin certains ont décidé de bien vouloir se remettre à bosser et ça fait plaisir de revoir toute la fine équipe au complet. Voilà les quatre fantastiques, j'ai envie de dire, de la VR. C'est nous. Comment vous allez bien tout le monde, en tout cas, et je vais m'adresser d'ailleurs à Louis. Louis, comment ça va? Écoute, ça va super bien la semaine de reprise. Il y avait du monde. Voilà, je me suis dit que plus personne ne voudrait venir m'écouter à la rentrée. Et ben non, les gens sont toujours là. Donc c'est plutôt cool. Puis ben voilà, le premier XR 360 de la saison pour moi. Tout à C'est fait. presque ça, c'est la nouvelle saison, tu vois. Il y a eu les vacances, tout ça. J'aurais jamais cru dire ça un jour. En tout cas, je suis content. Ça me fait Ouais, mais plaisir. tu verras que rien n'a vraiment changé, puisque tu l'as peut-être remarqué, hein, le jingle n'a toujours pas été renommé. Oh, ça y est, tout de Je suite. qu'on n'est pas Ça de allait la dire. fin et la faute de car. C'est La scandaleux. réunion de préparation de l'émission que quand même fondamentalement, je pense que l'ambiance générale n'a pas changé autour de cette table. Non, non. Exactement. Alors, Et d'ailleurs. pour la petite histoire, quand même, j'avais changé le générique, etc. J'avais bien mis XR 360, Et ça n'a pas changé. mais j'avais mis by ETR, et du coup, je suis obligé de le refaire parce qu'il faut que je mette maintenant by deliver. Voilà. Donc c'est pour ça. Exactement. Et du coup, j'en Je profite m'en pour suis me sorti ou tourner pas? quand même. Rentrée oblige, les amis. Je me profite pour me tourner vers Rames. Et je sens qu'avec Rames, quand les vacances se terminent, il faut tout de suite refaire un petit bilan de santé. Comment ça va, mon Rames? La santé. Ça va, je suis en train de digérer la quatrième dose, bientôt la cinquième. J'ai mis Exactement. de 7 doses, alors je suis parti, je prends. Voilà. Bon, bah parfait. Tu vas être autant servi bientôt que les Brésiliens en Coupe du Monde, tu vois, en palmarès de Coupe du Monde de foot. C'est parfait, très très bien. En tout cas, on est ravis de te retrouver en pleine forme parce que c'est vrai que t'en menais pas large la semaine dernière et du coup, voilà, c'est tant mieux de te retrouver de cette manière. Et la personne qui fait le pitre, mais que j'admire quand même toujours autant, c'est Zazel, Ah, le c'est gentil. boss. Oh, c'est gentil. En même temps, c'est ce qu'on appelle faire une Julien Chiez dans le milieu. Donc, je m'entraîne hein, parce que c'est ce qui marche le mieux. Eh Donc, bien, écoute, tout à fait. Et on salue Julien, parce qu'on a Ah, mais qu'on salue, tout à fait. à parler de lui dans cette émission. Voilà, à croire qu'il va se dire qu'il y a un truc, et c'est possible, il y a peut-être un truc qu'on n'ose pas s'avouer. Et j'en profite tout de suite pour me tourner vers mon tchat préféré. Comment ça va, le tchat? Alors, le tchat, il y en a de nombreux ici. Il y a d'abord celui de Twitch. Comment vous allez tous? Je vois qu'il y a Codix. Je vois qu'il y a Julien Tsuki, je vois Nardiner ce soir, très très chaud, à croire qu'il ne se passe pas grand-chose sur VRChat. J'en profite pour embrasser aussi Tinviel des Bois. Je galère toujours autant avec ton pseudo, mais ça va venir. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vois pas Galdian, je suis très inquiet. Il a prévenu qu'il serait. Ouais. Ah, Voilà, quelques déjà pas là, jours. mais Voilà, je du suis médecin. inquiet. Bah, en tout cas, on espère qu'il va bien.
Elon NVR, j'en profite aussi pour saluer également, je ne vois pas Osirix non plus. Voilà, il y a quelques habitués qui ne sont pas là. Et j'en profite aussi pour saluer les gens de chez Restez Connectés dans le chat. Oui, regardez, je vous vois ici, je surveille ce qui se passe et j'en profite pour faire un gros bisou à vous. À Diminus et lui dire qu'il nous a manqué fortement hier sur le replay, enfin sur le, pardon, le stream de Survive, tu nous as beaucoup manqué, même si on avait quelqu'un qui te ressemblait au niveau de l'avatar et dans la façon de jouer. Mais bon, bah voilà, on a 100 Géminus, c'est compliqué. Et j'en profite pour saluer ArtS373 et Dieu veille Mbossa. J'en profite aussi pour saluer qui est dans le chat. Donc je vous regarde sur YouTube également. Si vous voulez interagir avec nous sans délai, sans lag, je vous invite à nous rejoindre plutôt du côté de Twitch et de la chaîne ETRFR. Mais voilà, si vous n'êtes pas très Twitch, eh bien YouTube est là et la chaîne Restez Connectés. Ce fait un plaisir de restream tout ça. Eh bien, avant de parler justement alors du sommaire, les mecs, j'ai appris une petite breaking news, qui est vraiment une petite, breaking je voulais faire news. Une brève rapide. Eh bien, ça y est, on sait quand est-ce que PlayStation va prendre la parole. Je crois, alors j'avais la date, j'avais regardé juste avant, honte à moi, mais en ce qui nous concerne, ils prennent la parole dans très peu de temps. Est-ce que tu vas pas dire une bêtise là ? Attention, attention à ce que... Attention, oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites là-dessus. Il y a un événement PlayStation dans une semaine ou quelque chose comme ça, mais ils ne parleront pas du PlayStation VR 2. Exactement, bah tu viens de spoil tout ce que j'allais dire. C'est ah merde. Bon. Alors apparemment, il y a c'était pour te couvrir. Le 9 septembre, et voilà notre déception de ce soir, il n'y aura pas de news concernant le PSVR de nouvelle génération, qui n'a toujours pas de, voilà, c'est pas PSVR 2. Donc voilà, on est très déçus, nous, chez XR360, et pour dire qu'on n'oublie pas la communauté PSVR, on vous embrasse, et ici, on parle de tout, de toutes les technologies immersives. Et on va justement parler de quoi ce soir ? Eh bien, ce soir, on va déjà placer le débat. Alors, juste après une petite news que Louis a réussi par force brute, on va dire, dans le conducteur, à hisser la news tout en haut du conducteur. Mais juste après, on va parler, vous l'avez vu dans le titre, comment la presse mainstream perçoit la VR aujourd'hui. On va poser le débat et on va ensuite parler de traduction automatique en débat. Réalité augmentée grâce aux lunettes Unreal. On va parler également de Shadow qui a fait une annonce. Donc Shadow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le PC dans le cloud. Ils ont fait des annonces et il y a une annonce qui concerne la VR, donc c'est intéressant. On va parler ensuite de photogrammétrie et de méditation avec Brink Traveler. Et on finira, bien entendu, avec la grande partie gaming. Et surtout, on va se réjouir parce qu'il y a des choses qui vont se passer du côté de Resident Evil. Ça, c'est top. Voilà le menu. Et plein de choses entre les deux, hein, bien sûr. Et bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est on va dire, la crème de la crème de notre conducteur. Mais bien entendu, vous allez voir, il y a plein de choses pour nous accompagner ce soir. Et du coup, sans plus tarder, oui, vas-y. Et j'aimerais quand même noter un petit truc assez important et dire bonjour à ceux qu'on a oubliés. Non, mais là, c'est pour une chose importante quand même. C'est pour tous les lecteurs de podcast, en fait, qui vont nous écouter dans les semaines à venir. Sachez que, du coup, XR360, voilà, si vous, vous avez loupé une partie du live, ou si voilà, tout simplement c'était l'heure de manger, ou si... Enfin, voilà. Vous aurez maintenant la possibilité, effectivement, et on vous linkera bien sûr tout ça dès que ça sera prêt, en tout cas d'écouter XR360 en mode podcast. Donc on dit bonjour à nos viewers du futur également qui nous écouteront juste en audio. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires, etc. C'est ce qu'on appelle encore ça des viewers d'ailleurs. Tout à fait. Des podcasters. Des voilà, il va falloir que du coup ça va être nous, ça va être toi donc. Oui, c'est pas faux, mais j'ai pas bossé le wording, voilà, je voulais juste leur dire bonjour, moi, merde. Les auditeurs, on embrasse les auditeurs qui nous écoutent sans doute en audio, on est ravis de compter les auditeurs sans doute en audio, oui, tout à fait, exactement. Et du coup, vous auditeurs du podcast, n'hésitez pas à essayer de mettre des notes quand vous le pourrez pour essayer de faire grimper ce nouveau podcast sur la VR, il n'y en a pas beaucoup, donc n'hésitez pas à nous filer un petit coup de main. Et vous, qui êtes un petit peu partout, là, que je vois un petit peu partout dans tous les chats, là, on compte sur vous
pour essayer de nous ramener du monde en partageant cette émission, en prévenant un max de personnes que oui, il y a une superbe émission sur la VR, sur l'AR et sur toutes les technologies immersives, CXR 360, et qu'il y a une web TV formidable avec du streaming de fou. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant tout ça. On compte sur vous, on le répète tout le temps, mais c'est très important. On a besoin de grandir et vous seul êtes la clé de ce succès. Surtout quand vous voyez comment nous, on utilise les réseaux sociaux. On a besoin de vous à tout prix. Voilà, une fois que ça c'est dit, eh bien on va commencer. On va commencer par la première news, Louis. Et tu voulais nous donner, en arrivant tout de suite comme ça, un peu de kiff, c'est ça? Exactement, un peu de kiff, puisque en ce moment, vous ne le savez peut-être pas, et si vous le savez, bah, tant mieux pour vous. Enfin, si vous ne savez pas, tant mieux, parce que je vais vous le dire. En ce moment, c'est le KIFF, le Knowledge International Forum, qui se déroule à Metz. Oui, il se passe des trucs à Metz, désolé pour les gens de Metz. C'est un gros salon où on ne parle que d'immersion. On va parler, là ça fait 3 jours, je crois que c'est en cours. Il reste demain matin. Et c'est gratuitement en live. Alors c'est sur LinkedIn, parce que c'est plutôt professionnel. Mais vous allez sur LinkedIn du KIFF et vous allez pouvoir retrouver toutes les conférences. Et ils vont sortir en replay. Ils ont une chaîne YouTube qui n'est pas encore très alimentée, parce que c'est leur premier... Oui, ils font un événement digital aussi. Mais en tout cas, vous allez retrouver toutes les conférences sur leur YouTube et vous avez plein de trucs très intéressants sur les musées, sur la culture, sur l'industrie et tout ça sur l'immersif. Donc allez-y, allez écouter. Pour la petite blague, demain à 10h, c'est le président de France Immersive Learning qui sera en train de s'exprimer. Voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble mon patron, vous pouvez aller l'écouter 2 minutes, ça nous fera plaisir. Voilà, c'était juste pour vous dire ça et vous dire d'aller écouter le KIFF parce qu'il y a plein de trucs très sympas et un très beau programme et des très bons conférenciers. Ça va être le KIFF. Fait, donc... enfin, je remplace Agaldian ce soir. Hein. Voilà. C'est le KIFF total. Donc, n'hésitez pas à en tout cas aller jeter un œil, une oreille. Voilà, ça fera toujours plaisir. Du coup, les amis, je vous propose de aborder le gros débat de ce soir. Du coup, alors, comment nous est venue cette idée? Je vous le dis comme ça, en fait, on en discutait entre nous, et en ce moment, on a constaté qu'il y a beaucoup d'articles sur le fameux métaverse qui fait couler pas mal d'encre, qui occupe pas mal de nos confrères, en tout cas, ou de journalistes un peu partout dans tous les médias. Et du coup, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Je pense qu'il y a quand même eu un au niveau médiatique, hein, attention, comprenons-nous bien, je suis pas dans les grandes déclarations, mais je pense qu'il y a eu un petit avant et un petit après entre l'arrivée d'Horizon Workroom, qui a fait pas mal couler d'encre sur pas mal de médias. Et du coup, Horizon Workroom étant une pièce de ce que pourrait être un jour, c'est un peu un embryon, c'était une vue au microscope de ce que pourrait être un jour le fameux métaverse, et bien voilà, les choses commencent à en parler pas mal. Et du coup, on voulait faire un petit peu le point. Bah, le trigger, ça a quand même été plus ce qu'avait dit Marc, hein, du coup, que Workroom en lui-même. Hein, c'est vraiment ce qu'avait dit Marc, hein, c'est-à-dire que lui, à Horizon 4-5 ans, si je me trompe, il veut effectivement un métaverse digne de ce nom. Voilà, on va en parler, mais c'était ça un peu plus le trigger du coup que Workroom en lui-même. Pour être tout à fait exact, ça commence avec Epic qui annonce son métaverse un mois avant. Là, on commence à en avoir, et par contre, on a eu en fait sur les 2 derniers mois, t'as 200 articles qui sont sortis et t'en as eu 200 sur 10 mois avant. Je viens de lire un truc. Alors, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que Facebook truste vachement les gros médias mainstream, hein, genre Le Monde ou pas mal de confrères, voilà, des choses comme ça, Le Figaro, des trucs comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que la VR, c'est plus finalement qu'une paire de lunettes grosses comme un casque qu'on met sur soi, qui est lourd et machin, et que c'est un peu pris au sérieux. Alors, du coup, il y a pas mal de réactions à droite et à gauche. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Est-ce qu'on a eu raison ce soir de se poser la question? Moi, on m'a linké un truc, Louis, je, sur l'article du coup des numériques. Je vous le mets en gros, mais ça mériterait quand même un VR en colère. C'est-à-dire, là, on compare le métaverse au gaming. Déjà là, moi, je dis, il y a faute. Il y a faute complète.
Alors, si vous voulez un petit détail un peu complet de cet article, j'ai fait une heure et demie de live hier sur les métaverses et les articles des métaverses. Donc, vous avez le replay qui est là sur la chaîne ETR. Puis sinon, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube du Lab. Mais voilà, cet article, incroyable. Les mecs, ils te disent « Non, mais la RA, c'est plus mûr que la VR. » Bon, faux. Est-ce que le premier métaverse sera un métaverse de RA et que le gaming sera... le métaverse sera le truc ultime pour le gaming. Bon, les mecs, ils ont rien pigé. C'est dommage parce qu'il y a des trucs intéressants dans cet article. Vraiment, il y a des trucs cool. Mais il y a des sorties de route assez impardonnables, je trouve. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui est un expert VR, en tout cas, qui est présenté comme tel. Sur un site qui est quand même plutôt costaud, les numériques, voilà, c'est quand même pas non plus n'importe qui dans le domaine de la tech. Voilà, et moi je suis assez mitigé. En fait, le truc que m'inspire, en tout cas, cette profusion d'articles, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que les gens ont enfin compris que les métaverses, c'était un enjeu. Et que concrètement, si on laissait tout le monde faire ce qu'ils veulent, bah, ça va mal se passer à la fin. Voilà, un monde géré par Facebook... ça me chauffe moyen. Alors après, on pourra en discuter, je pense qu'on va en discuter, mais voilà, moi ça m'inspire pas confiance au premier abord. Mais que ce soit par Facebook, que ce soit Apple, Amazon ou Epic, hein, dans tous les cas, Epic ils nous filent des jeux gratuits, c'est sympa, mais je leur fais pas confiance non plus. Ah oui, remarque, oui, c'est pas faux, une fois par mois, oui. Tout à fait. Ouais, non, une fois par semaine. Mais en flat, voilà, alors bon, pas en vert. Encore qu'il y avait réalisé... Bon, je digresse. voilà, en tout cas, moi, ce qui... ah ben, j'ai dit, un Galdian Power. Dans cette trend, c'est que vraiment, on pose au moins le sujet du métavers dans la sphère publique. Bon, le problème, c'est qu'on le pose mal et que quand même, on garde un regard, je trouve, sur l'ensemble des articles que j'ai pu lire dernièrement, assez condescendant, assez gaming, assez gamer, assez... tout en oubliant que la majeure partie du business aujourd'hui en VR, il se fait pas dans le grand public, il se fait dans l'entreprise, que de toute façon, le gros du marché, il sera de toute façon dans l'entreprise derrière, que pour la formation, il se passe plein de trucs, t'as même en Corée du Nord, ils forment des gens avec de la VR. Croyez ça, en Corée du Nord. Je vais retrouver l'article. Hein. C'est... Ah ben, on l'a traité. Et on en a parlé. On l'a traité. T'étais en vacances en Corée du Nord. On l'a traité. À côté de photos, je me souviens même, voilà, t'avais des mecs donc, portant des casques VR à côté de photos avec des mecs ayant des écrans catholiques. Exactement. C'est formidable. Tout à fait. Bah, moi, ce que je vois... Ils font des sauts technologiques, c'est comme dans Star Trek, quoi. C'est ça, ouais. Après, moi, ce que je vois avec ce traitement actuel là, de la VR et du coup du multiverse, parce que c'est ça qu'ils ont sur le bout des lèvres, tous les articles. Multiverse. J'ai un petit peu l'impression qu'en fait, exactement comme en 2016 quand la VR est revenue par la grande porte, le traitement médiatique a été très porté sur le monde du jeu vidéo, sur le monde du gaming, au niveau du grand public, je parle. Et ça a été un peu une catastrophe, parce que les gens s'arrêtaient sur leur premier a priori, en fait, quoi. Genre, ils mettaient le casque, ils étaient un petit peu mal à l'aise, désorientés, hop, ils avaient le motion sickness, et ça y est, c'était une vérité, c'était pour tout le monde le cas, et ce serait comme ça pour toujours, pour tout le temps. Et là, c'est ce qu'ils font un petit peu aussi avec le métaverse, en fait. J'ai l'impression qu'ils tirent déjà des conclusions sur quelque chose qui est juste en train d'arriver. C'est une toute genèse, et c'est même une pré-genèse, quoi. On n'est même pas encore vraiment dedans. Et comme tu l'as dit, Mathieu, hein, c'est une petite bribe, une petite pièce seulement du métaverse qui est en train de se dessiner. Et ils occluent énormément d'aspects, et du coup ils traitent en fait encore le sujet d'une manière assez chaotique, assez maladroite en fait. Après, quand là tu le dis, Mathieu, c'est que je te rejoins, c'est que je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, parce que du coup ça démontre non avec qualité malheureusement, mais ça démontre que la VR continue son petit bonhomme de chemin. Et après avoir fait, je sais pas si vous vous rappelez du graphe qu'avait fait VR4Player avec le train de la hype qui monte, ils avaient fait. Et ils avaient fait une petite vidéo avec un graphe justement, genre la hype de la VR, hop, ensuite tout le monde s'éclate parce que finalement c'était pas ce qu'on attendait tous, hein, y a un retour à la réalité, ça redescend, puis ensuite ça remonte, et puis ça redescend, et puis ça remonte. Et là on est dans une petite pente qui est en train de monter, et puis ça va redescendre c'est en train de redescendre quand ils essayent justement. Facebook Horizon, où ils se disent c'est très cool pour travailler, etc. Mais si c'est ça le métaverse, et là du coup ils sont en train de se tromper complètement, parce que Horizon Workroom n'est pas du tout le métaverse. C'est une toute petite bribe
de ce que ça pourrait être plus tard, quoi. Et du coup, le traitement médiatique est exactement le même qu'à l'époque, c'est maladroit. Outre le fait... De ce que j'ai lu, j'ai pas vu de confusion forcément avec le fait de dire que Horizon Workroom, c'est le métaverse. Je pense qu'ils ont bien saisi que c'était une petite fenêtre de ce que ça pourrait ressembler. Là où par contre, je rejoins Louis sur le raccourci un peu rapide, et je te passe la main, Zazel, juste pour ça, mais je voulais rebondir là-dessus, c'est que je pense qu'il y a un vrai raccourci trop violent qui est pris, en fait, mais genre, tu sais, t'as le raccourci efficace qui va bien, et le raccourci qui, au final, t'emmène nulle part, qui arrive ou t'arrives sur un cul-de-sac, et je pense que c'est le parallèle qui est fait avec Fortnite. On n'arrête pas de dire que justement Epic a déjà une sorte de métaverse avec Fortnite, mais c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Si. Dans le sens où ça reste quand même un jeu vidéo, c'est juste qu'il y a des événements ponctuels qui sont mis, il y a des fenêtres de métaverse avec les concerts, les événements à droite et à gauche, et ce fameux un peu lien social qui est en train de se créer dans Fortnite parce que les jeunes aiment se retrouver là-bas pour discuter. Zazel, je te passe la main. Ah oui, parce que je ne vais pas pouvoir me retenir. Je suis désolé. Mais avant ça... Ah non, c'est pas les mêmes pour le verre en cola. Non. Mais avant ça, tu parlais de train de la hype. Du coup, Rames, c'est très, très intéressant. Sachez que si vous abonnez en ce moment, hein, sur Twitch d'ailleurs, c'est -50%. Et du coup, vous pourrez faire monter ce stream du coup en train de la hype. Alors non, c'est pas forcément pour la thune, mais en tout cas, ça nous fera de la visibilité. Donc n'hésitez pas. Et si vous êtes abonné Prime, c'est gratuit pour vous. Mon son est saturé chez moi. Ah ouais. Ah ouais. Bon, bah attendez. Rames, il a mangé son micro. Voilà, je vais baisser un peu, dites-moi, ou alors c'est peut-être que je suis un petit peu proche du micro. Je voulais prendre la parole un petit peu sur. Je voulais prendre la parole un petit peu sur le sujet sur trois points. Tout à fait. Alors ça, je vais essayer de faire plus court. N'hésitez pas. Juste une petite chose, justement, il faudra qu'on se remette dans les rails parce qu'on bifurque beaucoup sur le métaverse et justement. En même temps, le titre, la question, c'était comment la presse mainstream voit la VR. Du coup, que maintenant il y a cette composante métaverse. Avec voilà, ces fameuses questions qui sont en train de se poser avec un monde. Les articles ont bien commencé à comprendre que en fait, les GAFAM ils commencent à avoir toutes sortes de manières de s'esquiver du monde réel. Il y en a qui pensent aller coloniser Mars. Et ça peut être un risque si c'est un GAFAM, en tout cas une grosse industrie qui y arrive. Et Facebook, par exemple, Zuckerberg. Là, je pense à Elon Musk, hein, on va citer les gens. Merci et pour le follow, QC. Mark Zuckerberg, qui lui veut bien garder les pieds sur terre, mais veut dominer un monde qui sera virtuel dans ses casques. Vas-y. Ouais. Juste deux secondes, parce qu'effectivement, on y reviendra. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle le métaverse d'un multiverse. Chose importante, c'est deux choses littéralement différentes en termes de sémantique. Mais ça, on fera. Je pense qu'on le traitera d'une autre façon. Peut-être même que c'est un débat à proprement parler. En tout cas, bon, ça touche plus à la sémantique. Moi, ce qui m'énerve fortement et ce que je peux en conclure de cette presse mainstream, etc., c'est qu'elle est gérée uniquement par l'économie. C'est comme ça que la VR s'est cassé la gueule, hein, littéralement en 2016. Et c'est comme ça que j'ai peur que ça se termine, en fait. C'est comme ça que les Google Glass se sont cassés la gueule. Enfin, c'est géré uniquement par l'économie. C'est-à-dire que là, et vu, en fait, le métaverse, plus particulièrement le multivers, vraiment, du coup, comme une source de pognon infinie. Et donc, ça y est, les médias décident d'en parler. Et donc, ils vont créer, en fait, cette fameuse courbe, hein, du coup, que Rames parlait tout à l'heure, avec un engouement, parce que, du coup, les gens vont en parler. Et d'un coup, ils vont se rendre compte que, finalement, c'est pas pour tout de suite. On crée une sorte de bulle spéculative. On se rend compte que, finalement, c'est pas pour tout de suite. Et derrière, ils viennent défoncer, littéralement, ce qu'ils ont repris, parce que, du coup, à faire du mainstream, à vous bourrer le cerveau, ça fait du clic. Et puis, à le défoncer derrière, ça fait encore plus de clics. Donc, on est vraiment là-dessus, et c'est en fait tout ça est pour moi vraiment impulsé par la presse économique, et c'est hyper malsain. Alors, du coup, tu vois, là sur celle-là, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Pour le coup, je suis pas inquiet pour la VR parce que justement, cette courbe là dont parlait Rames, elle est tirée des courbes de l'innovation, Gartner, et il n'arrivera pas à la VR ce qui est arrivé au Google Glass parce qu'on est sorti de cette courbe là. Aujourd'hui, on est sur un produit qui est considéré stable et économiquement viable et en termes de déploiement viable.
Alors, j'ai juste une question, une composante dans ta réflexion. Moi, je pense que c'est les Google Glass, c'est pas du tout le bon exemple à mettre à côté. J'ai envie de vraiment de prendre les télé 3D. Tu vois, parce que les télé 3D, il y a eu des produits. Tu vois, Google Glass, c'est un produit. Et moi, j'estime que c'est Google qui a laissé échapper sa communication et qui s'est pris un violent retour de. Voilà. Après qu'on se méprenne pas, enfin moi je faisais vraiment cette démarche-là sur tout ce qui va être multivers et métavers où les gens font un petit peu semblant, essayer de se réveiller, de se dire ah putain qu'est-ce qu'on fait en France pour ça, etc. et machin. Toute la presse est en train de Libération a fait 3 articles en 3 jours là-dessus. Enfin c'est des trucs incroyables. Je sais pas si t'as eu le plaisir de les lire d'ailleurs, mais c'était quelque chose. Ils sont bien. Il y a rien à dire. Mais voilà, donc, moi c'était vraiment sur la VR effectivement et la courbe de l'innovation. On a passé le gap de l'engouement, on a passé le gap de la crise entre guillemets, de la déception. De la désillusion. Et on revient maintenant sur une courbe ascendante. C'est vraiment là vraiment c'était sur métaverse, multiverse où là très clairement on est au sein. Cette courbe en fait où on vient générer de la hype, on vient générer du buzz, on vient générer tout ça et puis d'un coup le premier truc va sortir genre peut-être Facebook Horizon, on sait pas, et là globalement ça va être une désillusion massive de se dire bah ouais parce que en fait c'est un petit peu comme quand on parle d'innovation, il y a à peu près autant de définitions autour de cette table que de personnes. Est-ce que justement c'est vraiment un mauvais signe que par exemple d'après ce que j'entends autour de la table, on est tous d'accord pour dire que cette courbe va redescendre. Quand on va voir la réalité des choses, ça va se casser la gueule. Ils vont dire non mais vous avez vu, c'est ça le métaverse dont ils parlaient il y a 6 mois. Alors que c'est pas ça, mais c'est ce que eux vont en conclure. Petite prédiction. Hein. Mais du coup, ça va redescendre et ça va peut-être un petit peu freiner ce développement du métaverse. Bah, je trouve que c'est pas forcément un mal en soi. Parce que les grands et les géants ont souvent tendance à vouloir aller un peu trop vite. Et sur des choses comme le métaverse, ce qu'on commence à imaginer, etc. Faire des grosses erreurs de débutant là-dessus, ou en se disant, bah voilà, moi je suis un GAFAM, donc c'est mes règles, c'est comme ça que ça va se passer, c'est pas autrement, et je vais tout absorber, tout aspirer, on peut tout imaginer, etc. On sait qu'en général, ils font quand même pas mal de grosses erreurs là-dessus, surtout parce qu'en plus, c'est les seuls à pouvoir déployer ce genre de choses. Donc, qu'il y ait un petit frein médiatique, et que ça ralentisse un petit peu la croissance du... Bah pour l'instant, on n'y est pas, au frein. Mais on n'y est pas, ouais, carrément, mais ça pourra peut-être nous permettre d'avoir le temps de se poser un peu plus quelques bonnes questions. Chose que dans le monde technologique, on a tendance à un peu oublier et à se poser 20 ans plus tard. Quoi. Alors, donc, est-ce que c'est vraiment un mal ? Je suis plutôt d'accord avec toi, mais tu vois, je pense qu'il y a quand même 2 trucs qui sont à noter. Déjà, d'une, il y a des bons articles. Une petite dédicace à Ouest France. Voilà, c'est tout à fait. Ouest France avec l'article de Laurent Chrétien sur la VR et les métavers qui est très bon. Pour le coup, il y a 2-3 petits trucs un peu plus sensationnels, mais il fait son boulot aussi, Laurent, là-dessus. Et puis, ouais, je pense son boulot est normal, mais l'article est bon. Et il y a un article extrêmement intéressant à aller lire. Alors là, on n'est pas sur la presse mainstream, c'est sur Marketing Week. Je vous donne l'article en anglais, hein, Facebook's Horizon Workroom Sucks Ass. Voilà, le mec, il a décidé d'y aller. Franco. Oh, je le veux. Plutôt pas dupe du truc et assez intéressant sur l'orientation produit qui est chez Facebook aujourd'hui et pas vraiment l'orientation client. Donc à voir. Mais en tout cas, je pense que le gros problème de la presse aujourd'hui, c'est que on n'est pas sur, on demande pas l'avis aux gens qui savent. En gros, ils ont collé les articles dans les pattes du mec qui fait de la tech d'habitude et le gars, comme tout le monde, il va sur YouTube, Wikipédia et LinkedIn pour trouver des informations. Peut-être qu'il va interroger un mec si jamais il a de l'idée. Donc là, il va trouver un mec à l'innovation dans tu sais pas trop quoi. Le gars va lui donner son avis. Paf, ça fait un article, ça part. Et en fait, au lieu d'aller voir des studios qui font, des associations qui font, des médias qui font déjà, enfin voilà, d'essayer de s'en rendre. Venez nous voir, bordel. De foutre des casques. Tu vois, enfin moi, je suis sûr que les mecs qui ont écrit des articles sur le métavers récemment, ils n'ont jamais foutu un putain de casque. Donc, comment on le voyait un petit peu dans l'article du Monde.
que malheureusement je n'ai pas eu accès à dans la totalité, mais je me souviens quand j'avais pu lire quelques fragments, la personne qui était en charge de traiter l'article avouait elle-même dans le titre, dans l'article qu'elle voyait la VR un peu, tu vois, elle était restée sur l'impression de Ready Player One et tout ça, et que quand ils ont proposé à la rédaction de traiter ce sujet, elle était toute contente de le faire parce que bah, du coup elle allait enfin pouvoir mettre un casque sur sa tête. Et c'est là où pour moi, bah, tu vois qu'il y a un souci, c'est que quand tu traites ce genre de sujet, ça serait bien que tu arrives à trouver quelqu'un qui ait un peu de background sur les casques VR, parce que sinon, je trouve que c'est pas suffisant pour après refaire un retour. Alors c'est bien parce que tu as le côté, genre j'ai jamais testé, donc j'arrive comme une vierge. Et c'est pas pour manquer de respect, je ne sais pas si c'était une personne féminine, je crois que c'était le cas, mais manquer de respect ni rien, mais en tout cas... J'arrive de manière totalement claire sur ce sujet. Je teste, je constate. Mais il y a un côté aussi où tu n'arrives pas à avoir toutes les subtilités de la composante que tu es en train de tester. Quoi. Et c'est un problème pour moi. Oui, non. Mais ça... Enfin... Ça... Vas-y. Non, je t'en prie. On est parfaitement d'accord, si tu veux. Mais en même temps... Allez, vas-y, on va, de toute façon, elle est là pour taper un peu fort aussi sur ce sujet-là. Je pense que c'est un manque de professionnalisme, en fait. Tu vois, on a des gens qui ont écrit des articles sur la VR quand j'avais mis un casque. On a des gens qui vont parler de sujets pointus, le métavers ou le multivers. C'est quand même pas un truc anodin. Tu vois, en gros, c'est typiquement le sujet qui a l'air simple à comprendre. Et quand tu commences à soulever le problème, il y a un paquet d'ennuis et d'emmerdes et de trucs à penser derrière. Donc c'est juste pas aussi simple que, bah tiens, le métavers, ouais, c'est un truc un peu connecté, ouais, c'est Ready Player One, bon, on n'y est pas encore, mais Facebook bosse dessus. Ce qui est en résumé quand même ce que racontent les articles. Petit disclaimer, et je passe tout mon bonjour et tout mon respect à Clémence Duno qui a écrit l'article du Monde, j'ai pas eu accès à la conclusion de l'article. Du coup, mon avis, là, on ne partons pas sur le principe que la conclusion de cet article... Est forcément... Non mais négatif ou pas. Négatif à la fin, on ne connaît pas la conclusion, donc on ne peut pas trop préjuger. Je parle pour cet article-là. Ouais. En tout cas, quoi qu'il arrive, mais ça part d'un postulat un petit peu... Fondamentalement, le constat, pour éplucher les articles aussi avec lui, le constat que je peux faire, c'est le même, c'est que, en fait, les mecs sont généralistes. Mais on fait exactement ce même constat-là avec le médical à l'heure actuelle. Hein. Enfin, je veux dire, ça fait un an et demi, si vous regardez BFM TV et ceux qui sont interviewés, putain, vous avez même des philosophes qui viennent parler du Covid, en sachant que, voilà... Un an et demi seulement, enfin, je ne sais plus quel jour on est. Bref, voilà, avec tout ça, je ne sais plus. Enfin, voilà. Mais c'est, en fait, c'est comme ça que la presse est articulée, c'est-à-dire qu'on n'a plus de spécialistes, en fait, pour tous les médiums, en fait, qui ne sont pas jugés comme étant mainstream. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passera un certain gap, effectivement, les journaux comme Le Monde, Pixel, hein, notamment, hein, c'est la division, du coup, divertissement. Enfin, voilà. Tech. Numérique, ouais, du coup, voilà, numérique du monde finira par avoir son expert VR au sein du truc. Les numériques, pareil. Là, j'en veux pour preuve par rapport à ce que je disais. Du coup, avec qui on passe un entretien chez les numériques quand on veut parler du métaverse, ben, on passe un entretien avec Julien Pillot. Alors, Julien Pillot, j'ai rien contre lui, mais c'est quoi ? C'est un économiste à la base. Ce qui n'a rien à voir finalement avec le sujet. Le métaverse, le multiverse, t'aurais plutôt fâcheuse tendance à vouloir en parler avec des philosophes déjà dans un premier temps, parce qu'il y a tout à créer, donc voilà, pour avoir une véritable réflexion. Et puis effectivement, des experts de ce qu'est l'immersion, parce que visiblement l'un ne va pas sans l'autre. Quoique, on peut en discuter. Mais je trouve la démarche, du coup, voilà, on vient pas aller taper les experts parce que de toute façon ils les ont pas et que voilà. Ils sont obligés de faire avec aussi les personnes qu'ils ont, et on peut pas obliger les salariés à avoir un casque VR, malheureusement. C'est juste un peu dommage parce que du coup c'est compliqué. Pendant que Zazel discutait, je suis allé lire la conclusion de l'article du Monde, qui est en gros de dire « Ouais, c'était rigolo, c'était waouh, mais moi, je ne remettrais pas un casque et que je ne vois pas mes collègues le faire. » Oui, et d'ailleurs, elle dit même qu'elle résume Horizon Workroom, parce que j'ai réussi à avoir un accès un peu plus loin que la dernière fois. Elle dit « Je résumerai ça par une version 2.0 des réunions Zoom. » Voilà.
que je trouve un petit peu... je trouve ce qui est pourtant très vrai. Ce qui est pourtant très vrai, pour voir comment. C'est relativement vrai, mais en tout cas, si tu veux, il y a ce côté néophyte qui fait que... Mais surtout, tu vois, par exemple, elle, presque, je lui en veux pas. Tu vois, elle a fait l'effort de tester l'appli et elle a écrit un article dessus en étant néophyte. Elle arrive à ces conclusions-là. C'est les siennes, c'est tout à fait respectable. J'en veux beaucoup plus à quelqu'un comme les numériques. Qui sont technophiles. Qui sont technophiles. Et qui sont un économiste qui connaît pas grand-chose, tu vois, enfin, qui fait en tout cas des erreurs grossières. Donc j'espère pas que c'est l'expert du coin. Qui fait une erreur grossière, notamment sur le positionnement de la RA. Et s'il en est persuadé, je serais très curieux de discuter avec lui pour avoir son ressenti là-dessus. Voilà, les numériques, là, ils auraient dû aller voir effectivement des philosophes ou alors aller voir des technophiles, mais qui sont du domaine. Ce sont des gens qui bossent dessus au quotidien, que ce soit des studios, des entités, il y en a plein. En France, on a 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 associations regroupant des acteurs de la VR dans différents domaines et à différentes échelles. Il y en a une qui est en train de se créer au niveau européen, il y en a en réalité augmentée, enfin, il y en a partout, quoi. Donc, la vraie question. C'est pourquoi ne pas aller voir les gens qui font la VR au quotidien et la XR au quotidien pour leur demander leur avis sur ces sujets et comment est-ce qu'ils le présentent, et d'aller voir des gens dont c'est pas le métier et justement, comme le disait Zel, qui vont arriver sur un angle économique. C'est-à-dire qu'ils vont dire bah, ça va faire de l'argent, ça va pas en faire, ce qui est quand même, voilà, à part avoir des études de marché solides, personne ne peut savoir ce qui fait de l'argent ou pas. Et même avec des études de seul marché, on arrive à se planter. Alors, c'est forcément biaisé, en effet. Et j'en profite pour saluer David. Et peut-être qu'on pourrait poser la question, alors voilà, une question piège s'il en est, mais à David, effectivement, la question était, je te laisse la rappeler du coup, Mathieu, enfin le débat là, du coup sur lequel on est. Comment la presse mainstream voit la VR ? Voilà, c'était ça. Du coup, David, si jamais tu as un avis, en tout cas, n'hésite surtout pas. Pour moi, effectivement, clairement, il la voit vraiment comme étant quelque chose de à l'heure actuelle de gadget et quelque chose qui fait peur. Enfin voilà, mais pas qui fait peur dans le médium en lui-même. Je pense que c'est compris dans la tête de tout le monde que la VR existe, que voilà, on en a des pubs, on en a, enfin voilà. On en voit partout, mais par contre, qui fait peur, parce que justement, ils ne connaissent pas le sujet. C'est un petit peu comme, j'imagine, l'époque où on a commencé à avoir des PC, et que le monde et les grands journaux, en fait, se sont mis un petit peu à l'ordinateur, etc. C'est un monde, en fait, à découvrir, qu'on ne peut pas découvrir tout seul, ou alors ça prend du temps, et forcément, tous les premiers articles, du coup, qui vont rédiger sur le sujet, c'est bâclé. Et en plus, sur la VR, on a un point extrêmement subjectif. L'immersion n'est vécue, n'est jamais vécue de la même façon en fonction des personnes. C'est complètement différent de d'une personne à une autre. Tout dépend du casque en fait que tu utilises, de ta morphologie, on refera le point du coup avec les études de l'ANSES et autres. Mais il y a plein de choses en fait qui viennent se greffer du coup dedans. Et si tu tombes sur un journaliste qui a eu à peu près tous les déboires du monde, ou sur un fameux streamer, du coup. qui a galéré pendant plus d'une heure à setup son casque, forcément t'en arrives à l'AVR, putain mais quel futur, je veux pas le voir, quel techno de merde, alors que c'est pas ça du tout finalement, et quand t'es bien conseillé, quand t'es pas trop lâché en pleine mer, tu peux kiffer sur une application de méditation, enfin t'es pas obligé d'être un joueur pour aimer. Ouais. Et je pense que David a un petit peu réagi du coup, et il y a une phrase qui m'interpelle pas mal, quand Apple sortira son casque, le mainstream en parlera, et je pense effectivement que quand Apple va se lancer, le regard de la presse mainstream évoluera pas mal, parce que Apple c'est un puissant qui véhicule quelque chose qui est très différent de ce que peut véhiculer Facebook, en termes d'image, je parle, Mais aussi en termes d'économie. Et aussi en termes de produits, hein, tout à fait, parce que Facebook, Facebook ne produit rien à part quelques casques depuis quelques années, mais ils produisent rien en termes d'accessoires, en termes de produits, etc., vraiment concret. Non, mais aussi en termes d'économie et autres. On peut répondre à Julien dans le chat qui dit « Mais Facebook n'est-il pas le Apple de la VR ?» Difficile de prendre sa place. Hein, Alors, qu'est-ce que Apple, déjà ? C'est pas les mêmes. Ouais, ça. En fait,
Non, pour moi, je trouve qu'il y a une approche dans la facilité d'utilisation. C'est ça que je parle, notamment dans le Quest. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même, une approche assez appelienne en façon que ça doit y avoir une prise en main facile à faire. Et pour le coup, Facebook a réussi. Après, je trouve que il y a le côté accessibilité tarifaire qui me fait dire qu'ils sont pas Apple, parce que souvent c'est un peu élitiste au démarrage. Oui. C'est pas évident à répondre à cette question en vrai. Mais par contre, si tu te bases d'un point de vue purement R&D et si on reprend un petit peu du coup l'époque de Macintosh, souvenez-vous, alors je vais pas vous faire mon accent de vue, etc. Mais il se trouve que oui, quelle grosse boîte en fait travaille à l'heure actuelle sur l'immersion de façon en tout cas complètement décomplexée et complètement avouée, c'est Microsoft. Voilà. Et puis à l'heure actuelle, celui qui remplace un petit peu le Macintosh de l'époque quand il y avait un petit peu la guerre des PC, il se trouve que c'est Facebook qui en parallèle du coup réinjecte de l'argent, etc. C'est pas pour rien, ils ont un petit peu cette vision là. Après les choses avancent vite et Apple va reprendre sa place d'Apple en fait, ni plus ni moins, je pense, d'ici peu, hein, d'ailleurs courant 2022 en théorie. Donc, Je veux juste laisser un droit de réponse à Rames qui n'avait pas l'air très d'accord avec moi sur la question. Et après, on va pas tarder à glisser sur les news, les mecs. J'allais t'envoyer un petit message privé pour qu'on switch un peu. Moi, je le vois surtout, alors pas forcément en termes de recherche et développement, genre du point de vue interne de l'entreprise, mais du point de vue du public. Pour moi, Apple et Facebook, du point de vue public, ça n'a rien à voir. Facebook, c'est un réseau social qui t'aspire tes données. Apple, c'est un vendeur de smartphones, d'Apple Watch, de plein de produits qui aspirent aussi tes données, mais qui font des produits. Je parle du point de vue public, hein, j'en fais un très gros cliché, c'est le cliché que je veux dire qui est dans l'imaginaire collectif du public. C'est des constructeurs, c'est des produits en tout cas. Extrêmement bien, voilà, c'est un constructeur Apple qui fait des produits extrêmement bien finis, extrêmement simples d'utilisation, qui sont bien pensés, qui coexistent tous dans le même habitat, etc. Avec d'autres problèmes à côté, mais qui est passé maître dans cet art-là, en fait, quoi. Et que quand Apple fait une conférence, la planète entière regarde. Quand Facebook fait une conférence, personne ne regarde. Ma voisine, je suis sûr, elle n'a jamais regardé une conférence Facebook. Enfin, ça ne l'intéresse même pas, quoi. Mais est-ce qu'elle a regardé une conf Apple ? Je pense. Ah, je suis sûr. Et une image de marque et une image sociale. Complètement, c'est ça. C'est l'image sociale que tu véhicules. Je veux dire, il y a des Apple Store dans toutes les grandes villes du monde. Quand tu vois la gueule des Apple Store, t'as vu les magasins, enfin je veux dire, c'est à chaque fois des trucs avec plein de vitres et tout, tu te dis c'est un architecte qui a fait ça. Ah oui, c'est un monsieur très connu. Enfin, ils ont l'image, quoi, et tu peux pas l'en enlever, donc Quand tu vas à la Fnac et Darty, ils font en sorte de ne jamais mettre leur téléphone à côté de concurrents. Ouais, Apple se mélange pas avec les autres, quoi, tu vois, c'est ça se mélange pas avec le reste, et ils ont réussi ce coup de maître d'art. Si l'enseigne veut avoir des produits Apple, ils sont obligés d'avoir un corner, c'est quasiment obligatoire. Bon. Après... je vais vous poser une dernière question pour clore le débat, s'il vous plaît, les gars, et puis il faut qu'on avance. C'est juste que je me faisais une réflexion parce qu'il y a un mot qui revient souvent quand on parle de presse et même quand on parle parfois de certains créateurs de contenu et de médias. C'est bizarre, mais à chaque fois qu'on regarde un article sur l'AVR, en général, parce que là, c'est le sujet qui est à la mode, l'AR n'est pas vraiment traité. Est-ce que, comme moi, vous constatez qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'article, on dit objectif, juste on traite une information. Et au final, on finit toujours par un article qui donne un ressenti ou des arguments concernant l'AVR, en bien comme en mal, en fait. Ça dépend des médias, je dirais. Ça dépend un peu des médias, parce que je sais pas, par exemple, vous connaissez l'usine digitale ? Ouais. Julien qui traite la partie techno-immersive, etc. Je trouve que ces articles, justement, sont plutôt pas mal objectifs, quoi. Détaillés, etc., bien documentés et tout. Après, c'est sûr que si tu prends Le Monde et je sais plus qui t'avait traité. Libération, Marianne, 20 minutes. Ils ont tous fait. Des bisous, Nicolas. Parfois même Le Figaro. Et même, j'ai envie de pousser un petit peu plus loin. Tu as des sites comme, par exemple, Numérama, qui traite pas mal l'actualité numérique, etc. Bon, quand ils parlent de VR, il y a souvent des erreurs assez maladroites qui font un peu tâche dans l'article. Et à partir d'un moment donné, c'est... Enfin, quand toi, tu lis ça en tant que personne qui travaille dedans depuis pas mal de temps, etc., c'est vrai que des fois, ça fait un peu grincer des dents. Donc ça dépend. Non mais c'est vrai que
C'est vrai que du coup, l'objectivité journalistique, dit Julien, ça n'existe pas. Il y a toujours une part de subjectivité. Oui, alors quand on écoute certaines personnes, elles vous diront que non. Mais j'ai pas le droit de citer son nom plus de deux fois dans le même stream, sinon il apparaît. Donc on serait emmerdé. Voilà. Mais ouais. Ce serait pas le seul. D'autant plus que, en plus, la VR est vraiment, pour le coup, un format extrêmement subjectif. Encore une fois, d'une expérience à une autre, certes, mais même sur la même expérience avec un casque différent, ou même sur la même expérience avec le même casque, tout le monde ne va pas ressentir les choses exactement de la même façon. Tout le monde ne va pas s'approprier le truc de la même façon, etc. Et pour en revenir typiquement au motion sickness, sachez qu'il existe des professionnels qui bossent à l'heure actuelle dans la VR, qui sont malades à 8h du matin alors qu'ils ne sont pas encore en VR et qui sont à 8h dans le métro, atteints de motion sickness alors qu'ils n'ont pas encore, mis leur casque VR. Bah, c'est vraiment quand tu arrives en fait, avec un a priori, tu peux aussi avoir énormément de choses. Donc, tu as des journalistes qui arrivent avec de gros a priori. Quoi. Ouais, ça reste une expérience très personnelle, la VR, en vrai, par rapport au ressenti. Même pour l'immersion et tout ça, ça va être à différents degrés et c'est un petit peu dommage. Et sans compter, vu qu'on est en train de parler un petit peu de Press Mainstream, je te coupe juste deux secondes sur un truc qu'il faut savoir, c'est que bien souvent sur les éléments, ils sont invités, mais ils sont invités tous ensemble. Et donc, tu as aussi un effet de groupe, tu as aussi un effet de masse. C'est-à-dire que. C'est ça. Et c'est-à-dire que tu as vraiment un effet de masse autour de cette conférence, etc. Tu as le premier, du coup, qui va passer. Alors, David, si je dis une connerie, n'hésite pas, mais en gros, tu as le premier qui va passer, etc., qui va discuter avec les autres. Si lui n'a pas aimé, il va déjà biaiser le retour d'absolument tous les autres. Et ce genre de choses, ça, je l'ai déjà vu dans les jeux vidéo, où finalement, on avait été. Paris Games Week, discuter entre nous. Le premier était pas content, donc alors du coup les autres étaient pas contents. On commençait à rédiger leur article parce que vous savez, Le mec dit viens là, je vais te biaiser. Voilà, c'est ça, je vais te biaiser, etc. Puis en parlant un petit peu avec eux, du coup 3 heures après qu'ils aient rédigé leur article sur l'instant, etc. Les mecs au final, ils avaient plutôt apprécié. Alors que du coup ils ont sorti un article qui défonçait le truc. Donc il y a vraiment l'effet de groupe. Personne, monsieur, quand je fais des soirées presse, personne ne me biaise. Tu dis ça, moi, voilà. On est toujours un peu biaisé. Est-ce que tu fais des voyages en hélico? J'ai pas toutes les étoiles, effectivement. Allez, je terminerai les derniers mots que nous a laissé un petit peu David un peu plus haut, qui nous disait « Malheureusement, je croise les doigts pour vous, les gars, qui mouillez le maillot depuis longtemps sur le sujet. Mais comme je disais à Mathieu, je pense que quand la VR sera mainstream, les médiathèques feront toujours des papiers en surface pour couvrir le truc et les pure players auront du mal. Naturellement, je vous souhaite l'inverse. C'est pourquoi je vous soutiens, les gars, depuis longtemps sur le sujet. » Et c'est vrai que tu nous soutiens depuis longtemps sur le sujet. Très gentil à toi. Il nous souhaite d'ailleurs un futur VR Awards sur toutes les boxes. Ben, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et puis, on compte sur les 33 personnes et les personnes qui sont sur YouTube. J'ose pas dire le chiffre parce que c'est un peu triste. Mais en tout cas, on compte sur vous pour nous aider à être de plus en plus nombreux. Pour que nous aussi, en tant que non-mainstream, en tout cas, on ait voix au chapitre. Surtout que on essaie quand même de garder un avis assez propre et net. J'en veux pour juste rappeler que Nick, il a fait une très bonne vidéo sur... Horizon Warcrow, je suis pas tout à fait d'accord sur tout ce qu'il a dit, mais en fait, je trouve que son avis, en tout cas, lui, en tout cas, il n'est pas biaisé. Voilà, sur le sujet, allez, je vous propose qu'on avance et qu'on passe à la suite. Allez. Et on va parler d'autre chose, on va parler de faire du piano en réalité augmentée sur l'Oculus Quest. Et je suis très content de voir que ce qui se passe autour du pass-through, fait pas mal d'émules auprès des gens, essaye pas mal de choses là-dessus. Et c'est assez intéressant. Et le pass-through pourri. Le pass-through, oui, effectivement. Alors, si vous ne le saviez pas, si vous avez un Quest et un Quest 2, d'ailleurs, vous savez forcément que si vous sortez de votre zone, du coup, vous arrivez à voir au travers des caméras du casque, etc. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Oculus, Facebook Reality Labs, du coup, avait ouvert son SDK pour pouvoir travailler
avec le pass-through concrètement et donc pouvoir en fait simplement venir afficher un layer en surbrillance. Hein. Attention, on n'est pas sur de l'XR, je tiens à le préciser, on est sur de la RA, oui, parce que du coup, Vodka l'a mis en français et ça me perturbe à chaque fois, mais on est sur de l'AR, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spatialisation, d'interaction en fait, avec, il n'y a pas de mapping en fait de votre environnement. Si ce n'est pour placer en fait un layer supplémentaire. Mais toujours est-il que la news, il y a des petits malins qui se sont amusés directement à pouvoir faire une application pour apprendre le piano. Plutôt sympa avec reconnaissance audio hein, finalement aussi. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir apprendre, en tout cas jouer quelques notes. Il va falloir attendre l'XR si on veut vraiment pouvoir avoir, à mon sens, quelque chose de très cohérent. Mais vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je voyais moi tous ces jeunes poncer Guitar Heroes et autres atteindre une dextérité de malade, je n'arrêtais pas moi de me dire, mon gars, si t'avais mis la moitié du temps que t'avais passé dans Rockstar, à l'heure actuelle, tu serais un putain de guitariste. Et ça, c'est plutôt cool en vrai. Et je trouve que cet exemple-là, il est beaucoup, mais beaucoup plus parlant pour les personnes qui te disent « Ouais, l'AR, je vois pas à quoi ça peut servir, etc. » Je trouve que c'est un exemple qui parle de lui-même, en fait, parce que quand on avait des applications comme... C'était Cubism, je crois qu'il y a Cubism. Cubism, ouais, tout à fait. Ouais, Cubism, où le développeur avait fait une application où tu fais les puzzles chez toi. Donc, c'est magique. Mais concrètement, ça apporte rien de plus au gameplay, tu vois. C'est juste, tu fais tes puzzles chez toi, etc. T'es dans ton salon et tu fais ton puzzle chez toi. Ouais, mais en vrai, c'était assez kiffant, par contre. Mais on est d'accord que ça utilisait pas le potentiel. Là, t'apprends à jouer d'un instrument. Enfin, t'apprends. Tu vas pas forcément apprendre, mais ça va apprendre un petit peu ton cerveau à délier tes doigts pour apprendre certains mouvements du piano que tu aurais pu essayer d'apprendre par toi-même et que tu dis putain, j'ai du mal sur ce passage, etc. Ouais, tu peux apprendre, mais je vois plus ça comme on le fait régulièrement avec l'AR ou la VR, comme un supplément en fait. C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas forcément l'ancienne méthode. Ça vient se mettre par-dessus et c'est juste trop bien, je trouve. Et ça, après, c'est vraiment un exemple. Une partition, c'est efficace. Ouais, voilà. Ouais, ça fait tablature en temps réel. Tu peux tout à fait ça le retransmettre pour autre chose. Apprendre de la guitare, apprendre du violon, enfin ce que tu veux. Tu peux le mettre sur n'importe quel instrument, de la batterie et tout. Et du coup, c'est très parlant pour le grand public. Je trouve que du coup, c'est fantastique comme exemple qu'il ait fait ça. Et d'ailleurs, le développeur va mettre son API à disposition du grand public sur SideQuest. Il l'a pas encore fait, mais il a dit qu'il le ferait. Donc, à garder sous la main. En tout cas, ouais, moi, je trouve ça trop bien. Et pour le coup, pour répondre à Hello qui disait qu'en tant que pianiste, c'est injouable pour elle avec un taux de rafraîchissement pareil. Alors oui, il y a une latence du fait qu'on stream une page web déjà. C'est un peu plus court, mais il a une latence quand même, c'est vrai. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'avant, il y avait une application derrière qui s'appelait Virtuoso, où tu étais en VR complet et tu superposais ton piano VR à ton piano réel. Et ça marchait pas bien, tu ratais une touche sur deux, mais l'idée était intéressante. Je trouve que là, on a gagné un step. On n'est pas encore au truc optimal. Le truc optimal, c'est ce qu'on a dit avant, c'est ce qu'a dit ZZ. C'était vraiment ce côté où tu as la paire de lunettes qui va bien, transparente, et qui t'amène juste les touches. Mais ça progresse. Et moi, je serais assez curieux d'essayer, après avoir essayé Virtuoso. Bon, j'ai toujours pas appris à jouer au piano entre-temps, donc on verra peut-être ce coup-ci. Non, mais ça peut être très sympa. Dans le chat, on a Jason sur la chaîne YouTube Restez Connectés qui nous dit « J'ai hâte de voir la version avec le triangle ». Vous savez, le petit triangle, en fait. Ah. Et peut-être que le triangle reviendra en force, du coup. Exactement. Des patients naîtront. Grâce à la portée économique que va générer le multivers. Ils font des articles sur le triangle et ça deviendra l'article musique le plus vendu au monde. T'es mauvais, quand même. Hein. là, le mec, il l'a mauvaise. Non. Bon, je vous propose qu'on avance et qu'on continue justement sur la réalité augmentée parce qu'on n'en parle pas beaucoup et parce qu'il n'y a pas souvent grand-chose à dire. Et bien là, cette fois-ci, on va parler de traduction automatique grâce à la réalité augmentée. C'est ça, ouais. C'est moi qui fais le sujet, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est tout à fait. Du coup, ouais, c'est Théo Presley, pardonnez-moi son nom, qui a partagé cette petite vidéo, du coup, qui a été développée par Delta Reality, donc une entreprise qui fait pas mal d'applications pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et du coup, bah, en fait, leur application, ça permet de traduire en temps réel les paroles de quelqu'un dans différentes langues. Donc là, on peut voir, hein, par exemple, à l'écran, anglais, espagnol ou allemand. Et du coup, c'est ultra pratique.
Lui, il parle croate, hein, pour info, d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas le d'accord. Et il le fait avec les lunettes Enreal, donc qui sont, je sais pas comment je pourrais dire ça, Louis, mais c'est un petit peu les lunettes grand public AR qui fonctionnent le mieux, entre guillemets, hein, vraiment, sur le marché, en tout cas, commercialement, je parle, auprès du grand public. Voilà, ils ont une bonne communication, etc. Ils s'implantent un petit peu partout, petit à petit. Et du coup, bah voilà, ils nous présentent cette petite application qui permet de traduire directement dans la langue, et c'est super pratique. Il y a une autre entreprise qui fait ça, que j'avais présenté dans un épisode de Tracking il y a 2 semaines, je crois, qui était PantaVR, et eux, ils faisaient la même chose, en fait, sur les scènes de théâtre, quand vous allez voir n'importe quel spectacle vivant, etc. Si vous êtes un étranger, par exemple, qui arrive dans un pays, que vous connaissez pas la langue du pays, et que vous avez vos amis qui, eux, par contre, parlent la langue, etc., qui vous hébergent, qui vous disent, bah tiens, ce soir, on va voir un spectacle et tout, tu vas voir, je sais pas qui en concert, ou pas en concert, mais en représentation, en spectacle et tout, bah, ils mettent des micros sur scène, et pareil, avec des lunettes de réalité augmentée, en fait, ils vont avoir un sous-texte qui va apparaître, c'est-à-dire les sous-titrages, ce qui va leur permettre de suivre le truc, ce qui est plutôt vachement cool, du coup, à la fois pour les étrangers qui ne parlent pas la langue, mais aussi les personnes qui sont malentendantes. Ça pourrait tout à fait fonctionner pour eux, et ça fonctionne d'ailleurs. Du coup, c'est voilà, une utilisation de la réalité augmentée qui est criante de vérité, encore une fois, hein, pour le public, qui montre à quel point ça peut être utile au quotidien, et après un monde post-Covid qui pourrait bientôt être derrière nous, on espère, hein, ça pourrait être parfait comme application. Quoi, pour attends la troisième dose, déjà. Ouais, je sais, j'ai déjà... Ah, ils l'ont tous d'avance, d'accord. Vu comment il a vécu la deuxième, je pense qu'il a hâte en plus, c'est ça qui est bon. Non, mais par contre, ce que je trouve génial, moi, au-delà de ça, alors ce qu'on a oublié de rappeler quand même, c'est qu'il y a un joli petit procès entre Enreal et Magic Leap. En gros, c'est quand même des produits assez similaires, hein, vu que c'est leur ingé chef qui est parti fonder Enreal. Du coup, en même temps, ils pouvaient pas le sortir chez l'autre, alors. Oui, et en même temps, voilà, il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait chez Magic Leap. Non, ce qui est génial, c'est l'algorithme aussi qu'il y a derrière. C'est quelque chose, et c'est vrai que bon, là ça trouve sa parfaite utilisation en AR, je trouve, mais je trouve par contre assez frustrant de pas encore avoir de soft réellement viable en dehors de soft payant à but commercial, etc., de traduction, même ne serait-ce que pour le web, tu vois. Alors si tu peux aller sur le site du Conseil de l'Europe, et tu as un traducteur qui marche très bien dans toutes les langues européennes. Ah. Alors, moi j'ai pu parler en norvégien, et autant te dire que je parle norvégien aussi bien que japonais, donc pas des masses. Voilà. Très cool, et ben ça va peut-être m'aider pour les interviews anglaises du coup qui arrivent du coup prochainement à la rentrée, parce que on m'a redemandé les interviews, c'est très très cool, mais des francophones, on en a fait pas mal le tour en un an. Donc, sinon, pour rappel, dans certains streams chez ETR, il y a des cours d'anglais qui sont donnés gratuitement par mes soins. Alors, vous irez juger vous-même, vous l'aurez vu, c'est gratuit, donc ça vous laisse un petit peu envisager la qualité du produit. N'hésitez pas, voilà, c'est sur le stream de Virtual Go, n'hésitez pas à aller voir, les cours d'anglais sont offerts là-bas lorsqu'on a joué à Survive, voilà, pas plus tard que hier. Je vais juste réagir à Monsieur Hudson. Attends, 2 secondes, je vais faire. Alors, vas-y. On arrête tout. Ah, et je réagirai à Technoïde derrière. Tire à balles réelles. Des cerveaux vides, voilà ce que ces technos vont apporter. Des indigents incapables de parler ou comprendre d'autres langues, plus capables de lire une carte. Il leur faut un GPS et qu'il n'y aura plus d'électricité. Retour au 7e siècle. Déjà, ça se fait pas pour les mecs du 7e siècle. Alors déjà, tu le dis avec un ton condescendant façon Le Monde, déjà, premièrement. Monsieur Hudson m'a demandé de le faire dans ce ton-là. Moi, je suis pas trop d'accord, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des gens, là, en 2021, souvent on entend, par exemple, je vais prendre l'exemple du jeu vidéo, où il y a I Expect You to Die 2 qui vient de sortir, il n'y a pas de sous-titres en français. Je vois et j'entends beaucoup de gens me dire, écoute, ils font pas l'effort de le mettre en français, et je le fais pas. Et du coup, c'est problématique. Et la barrière de la langue. Ouais, la barrière de la langue. Et c'est vrai qu'on peut se dire, on répond dans ce cas-là souvent, apprends l'anglais. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'aurais un peu tendance à répondre, apprends l'anglais tout simplement. Tête de con d'ailleurs. Mais mine de rien, ce genre d'application, avec des services de vidéos en ligne, comme par exemple Netflix, etc., je compte plus le nombre de personnes qui ont appris une langue
non pas à l'éducation nationale, à l'école, mais en regardant des séries sous-titrées en anglais, sous-titrées en français, etc., qui sont habitués au langage et tout. Il y a énormément de gens qui ont appris des langues de cette manière-là. Et pour corroborer le témoignage, au Portugal, il n'y a pas de doublage. Du coup, ben, ils sont beaucoup plus à l'aise que nous en anglais. Ah, c'est possible. Et du coup, si tu dis que les gens ne sauront plus lire une map, une carte, bah ouais, mais moi, à l'inverse, tu vois, je connais des personnes qui sont pas du tout à l'aise avec le numérique, et aujourd'hui, en 2021, on est dans un monde numérique, qui savent, donc je connais des gens qui savent lire une carte papier, par contre, ils savent pas servir d'un ordinateur. Donc, ben qui est la personne la plus pénalisée, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Alors, on pose la question de Thierry. Au-delà de ça, surtout, tu vois, on dit on saura plus parler d'autres langues. Bah, moi, en même temps, enfin, aujourd'hui, je parle français, anglais, je baragouine quelques mots dans d'autres langues, mais vraiment, je baragouine. Ah, on a dit qu'il a fresque, hein, por favor. C'est ça. Il y a 297 pays. Beaucoup plus de langues, plus du double. Moi, je suis content qu'on puisse avoir une petite application qui nous fait de la traduction instantanée. Je vous rappelle l'alternative de H2G2, c'était le poisson que tu te mets dans l'oreille et qui capte d'un côté et qui te renvoie de l'autre la traduction dans n'importe quelle langue. Bon, la paire de lunettes, ça me semble plus confortable. C'est ça. Je voudrais juste un petit mot à mes camarades, il y avait marqué bref sur le format. Voilà, d'accord, ok, ça marche. Alors, du coup, je voudrais juste rebondir sur un truc parce que c'est vrai que c'est un sujet quand tu bosses dans l'innovation, on te le rappelle souvent. Mais regardez, depuis les GPS, les gens sont plus capables de s'orienter, etc. Alors, bon, déjà, c'est faux. On se tape des petits délires nous-mêmes, par exemple, typiquement à naviguer sans GPS, ça nous arrive, mais on prend ça comme un amusement. Genre, voilà, tu fais l'aller avec le GPS, tu fais le retour sans, puis tu regardes si tu y arrives. En fait, on y arrive plutôt bien. On se perdait avant sans GPS aussi. Voilà, c'est ça, et on se perdait avant avec les cartes. Hein. Je pense qu'on a tous la petite bande dessinée humoristique où le mec engueule sa femme parce que c'est la copilote et que du coup, voilà, elle avec la carte. Et surtout, je voudrais dire un truc bien, bien précis à tous ces trucs-là, c'est que, alors oui, certes, typiquement, je prends l'exemple des numéros de téléphone. Qui connaît à l'heure actuelle une vingtaine de numéros de téléphone qu'il a dans son annuaire de téléphone alors qu'avant, quand on était gamin, enfin moi avant le téléphone... C'est bien, hein, 118, 218... ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, avant les smartphones, du coup, on les connaissait tous, tous les numéros, par cœur. Et en fait, ce que je voudrais expliquer, c'est juste que cet espace en fait, de cerveau, en fait, il est loué à autre chose. Et je peux comprendre la volonté de dire que, effectivement, plus on est assisté et moins on en fait, mais en fait, c'est complètement faux. Bien sûr, on peut en faire moins, mais en théorie, ça te libère juste de l'espace pour que ton cerveau puisse faire d'autres choses, en fait, et mémoriser d'autres choses. Donc, on peut en faire moins si t'étais fainéant, mais t'étais fainéant avant. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est tout. Et de base, effectivement, si t'as une notion effectivement de fainéantise derrière, avec ou sans l'innovation, de toute façon, tu l'as déjà, donc c'est pas le problème. Mais vraiment, posez-vous la question dans ce sens-là. Conclusion. Allez, conclusion. Moi, je terminerai juste par dire à Monsieur Hudson, je pense que tu devrais ouvrir un truc concurrent à Zazel, ça s'appelle la technologie en colère. Et je pense que tu as un créneau là-dessus qui tirerait très très bien, Monsieur Hudson, qui est... Non, mais c'était peut-être ironique, hein, d'ailleurs. Voilà. Je suis pas sûr, là, parce que là, il fait un méga exposé de pas mal de... Voilà. Je pense qu'il y a... peut-être un petit fond de... Voilà, de... Ah, mais par contre, j'adore le film Idiocratie, mais la problématique d'Idiocratie, c'est pas le numérique. Bon, je rentrerai pas dans ce débat d'ailleurs parce que là c'est un ban twist direct, mais j'adore ce film, j'adore le pitch de ce film, vraiment. Très bien, et bah écoutez, je vous propose qu'on parle d'un autre film, c'est celui de Shadow en ce moment, qui revient et qui a fait des annonces. Donc du coup, Shadow a été racheté par les propriétaires d'OVH, si je dis pas de bêtises. Voilà, et du coup, en fait, ils ont fait des annonces récemment chez nos confrères de Naotech. Sur le Twitch de Naotech qui s'appelle Naotech QG, voilà, on cite les sources. Et donc, ils ont annoncé un petit peu une ouverture de disponibilité de, je crois, 5000 slots disponibles tout de suite là, parce que vous le saviez peut-être ou pas, et bien Shadow, c'est du PC dans le cloud, et Shadow a été un peu victime de son succès, succès qui est tombé un peu au moment de la pénurie de composants, et du coup, en fait, ça a posé énormément de problèmes. Quand des fois tu vends pas assez, c'est un problème pour ton business, mais quand des fois tu vends trop, mais que t'as pas les reins solides pour faire face à la demande, et ben ça te pose aussi en difficulté, comme quoi c'est intéressant. Et donc nous, ce qu'on voulait dire par rapport à Shadow et la tech et la VR qui nous concerne ici, c'est qu'ils ont annoncé le passage de leur application dédiée à la VR, donc puisque Shadow supporte
supporter en alpha, on va dire, la VR. Et là, ils annoncent un passage en bêta qui arrivera en octobre. Les casques concernés sont les Oculus Quest 1 et 2. En gros, vous récupérez l'APK sur SideQuest. Et du coup, vous aurez accès donc à la possibilité de pouvoir utiliser. Alors, ils ont uniquement parlé de SteamVR. Pour faire du cloud computing, ouais. VR, on va dire. C'est un virtual desktop like, hein, en effet. Voilà, mais je vois qu'il y a pas, ils prennent pas en charge. Vu que c'est un PC, s'ils installent Oculus, moi je m'attendais à ce que, mais je pense qu'ils ont pas le, ils ont pas ce qu'il faut pour. Voilà. Pour l'appli Oculus installée, bah, qui a un casque quelque part qui. Pour l'instant, en tout cas, c'est une bêta. Effectivement, ça va être. Alors, c'est une alpha pour l'instant. Qui, oui, enfin. Une alpha qui va arriver en bêta. J'espère juste qu'elle est bien différente que celle que j'avais pu tester du coup il y a un an quand même, parce que c'était, enfin voilà, on était loin du 100-0 à mettre à Virtual Desktop. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. Juste pour rattraper un petit truc, effectivement, Lenny qui du coup comprenait plus, oui effectivement c'est une faillite. Je suis pas spécialement hyper convaincu qu'ils aient été victimes de leur succès, mais plus victimes d'un business plan foireux en fait, avec un prix d'appel bien trop bas en fait, et qui, avec le Covid, l'augmentation des prix des composants et les abos qui en plus sur lesquels ils avaient du mal à fournir en fait, ça a fait mouche. Mais heureusement pour eux, ils ont retrouvé un investisseur effectivement, et ça c'est plutôt cool, parce que les algos en fait qui sont derrière, qui sont là pour faire de la compression etc, eux, bah, ça vaut de l'or en fait, hein, c'est et ça met, enfin, on peut les placer en concurrence directe avec ce que fait Google avec Stadia. Alors, aucune critique sur la console en elle-même, hein, je parle vraiment juste du protocole de communication. Qui sont des choses qui fonctionnent vraiment bien. Donc voilà, GG à eux en tout cas d'avoir retrouvé des investisseurs. Et merci d'avoir complété, tu as tout à fait raison. Il y avait pas, alors il y a eu un peu, pour moi, ils ont été victimes du succès, mais ils ont été aussi victimes de cet appétit de vouloir faire un produit d'appel pas assez cher. Tu as tout à fait raison. Plus la montée des composants, tout ça, tout ce qu'on connaît de cette histoire. Du coup, je vous propose qu'on avance et qu'on parle maintenant cette fois-ci de photogrammétrie et de méditation. J'en place une. Je fais une petite dédicace pour la méditation à Monsieur Hudson. Regarde, ça va être sympa. Aramis. Méditation. Ouais, Blink Traveler, donc qui est une nouvelle application qui va encore une fois utiliser de la photogrammétrie pour reproduire des paysages photoréalistes en 3D. Donc c'est disponible, enfin c'est prévu. C'est pas encore disponible. C'est prévu sur Oculus Quest et PCVR. Ça va arriver le 9 septembre prochain, donc la semaine prochaine. On aura 12 yeux assez emblématiques, hein, de la planète à visiter, avec à chaque fois 18 points de téléportation. Et comme on le voit, on aura des petites fiches pour nous renseigner sur ces lieux, etc., la géologie, etc. Donc une belle petite expérience qui va permettre de se relaxer et de faire des petites découvertes assez sympathiques. C'est assez cool de mixer ce genre d'application avec, par exemple, du Google Earth. L'application Google Earth qui est sur PCVR et qui n'existe pas malheureusement sur Quest. Il y a une alternative, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Wonder, quelque chose comme ça. Wonder, mais c'est moins bien. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est moins bien. C'est ça. Et moi, ce que je veux dans ce genre d'application, c'est un mode multijoueur, franchement, pour découvrir les paysages. Je kiffe faire ça avec des amis. Mais en tout cas, voilà, ça utilise la photogrammétrie. La photogrammétrie, ça permet d'avoir du coup des paysages extrêmement réalistes. Parce que, en gros, la technique, vous promenez en photo un décor, un environnement, sous différents angles, histoire de pouvoir avoir une parallaxe parfaite. Donc la parallaxe, qui est cet effet d'avoir en fait deux angles de vue pour calculer des perspectives qui sont vraiment identiques à l'objet de base, ce qui vous permet de les reproduire en 3D avec un réalisme assez fou. Et du coup, voilà, ça sort le 9 septembre sur Oculus Quest et PCVR. Mangez-en, c'est assez cool comme expérience. Et je crois que Nick a pu mettre la main dessus. Ouais, il a fait un petit commentaire sous l'article de Deliver, et je pense qu'il va en faire une petite vidéo pour le présenter, ce qui est plutôt cool. Ouais, et il a teasé d'ailleurs, il avait l'air de dire que ça c'est prometteur. Voilà, mais il faudra attendre sa vidéo pour en savoir un peu plus. Très bien, on va parler cette fois-ci, allez, de jeu. C'est parti, on arrive sur la partie gaming, et là, place à Devolver qui annonce peut-être un prochain jeu VR. Tino Touzazel. Et ouais, Devolver. Est-ce que vous connaissez les déjantés de chez Devolver? Moi, c'est un publisher, pardon, que personnellement j'apprécie beaucoup. Si vous avez eu l'occasion de suivre les confs à l'E3 avec Nardiner et Lenny, hein, je crois que tu étais présent, hein, sur la conf Devolver. Voilà, ce sont des déjantés, et pour cause. Et pour cause, je vous le donne en mille, le premier jeu VR qu'ils ont publié s'appelle Gord.
C'est juste un jeu... Hop, attendez, je vous passe la pub. En tout cas, un jeu hyper déjanté, du coup, qui, bah, pour le coup, vraiment, vraiment les représente. Et du coup, bah, moi, concrètement, quand ils commencent à faire des appels, parce que c'est ça le but de la news, c'est qu'ils font des appels à du bêta testing pour un jeu VR, et ben ça me hype de fou. J'adore ce publisher, comme je l'ai dit. En tout cas, à chaque fois, ils prennent des risques, ils savent prendre des risques. C'est ce qu'on veut en VR, du coup, et j'ai vraiment hâte. Alors, concrètement, hop, vous allez faire comment ? Eh bien, c'est tout simplement en répondant, hop, on vous mettra le lien, du coup, Mathieu, si tu veux. C'est Eric qui dit, et allez, Red Shadow Legend, Deliver, ça a changé, je préfère le dire. Red Shadow Legend, bah oui, non, on fait pas de pub pour ça. Mais par contre, concrètement, on n'a pas le chèque, voilà. donc pas de pub. Sinon, on vend Omer sans problème. Hein. Mais, tout à fait. Faut de la moula derrière, quand même. En prime. Faut pas déconner. En prime. Et c'est donc le sur le tweet de Claracia, du coup, que tu avais beaucoup apprécié, Mathieu, hein, je crois. Hein, bref. Du coup, elle a linké Beta Squadron Application et vous avez accès à votre formulaire. Non, je déconne. Et vous avez accès au formulaire, du coup, pour vous inscrire à la bêta. Pour l'instant, pas plus de news, mais en tout cas, si vous faites partie de ces bêta-testeurs, n'hésitez pas à me MP si jamais moi, j'en fais pas partie, pour me dire si ça vaut du lourd ou pas. Un jeu avec des courgettes, peut-être. Salut, c'est tout. Wait and see. Allez, on continue. Et là, du coup, on parlait de courgettes, on va parler d'anatomie maintenant, puisque il y a des cours d'anatomie en VR grâce à la 5G. Oh, cette transition. C'est ça, Louis. Bah, ouais, mais tu me la donnes, donc. Ah, elle est magnifique. Est-ce qu'il y a des courgettes alors oui, ça se passe dans une université américaine. Tu viens de me jeter là au milieu du bazar, mais terrible, quoi. Donc oui, c'est l'université Fisk aux États-Unis qui nous vient de sortir en partenariat avec... voilà. Ça va me revenir. Je vais regarder l'article. Je suis désolé. J'ai été pris au dépourvu. C'est terrible. Victory XR. Que Louis l'a déconnecté tout à l'heure. Merci. Avec Victory XR, ils ont sorti du coup une application de formation à la courgette. Ouais, à la courgette, exactement. C'est la courgette. Aïe, aïe, aïe. À l'anatomie en VR, parce qu'aujourd'hui, les cours d'anatomie dans les universités de médecine, comment ça se fait ? On prend un cadavre, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Conclusion, c'est cher, c'est compliqué pour organiser des sessions. C'est pas cool pour le cadavre. C'est ça qu'on appelle donner son corps à la science, hein. Grosso modo, c'est ce qui se passe. Et surtout, c'est quand même très compliqué à organiser, et pour avoir un cadavre par équipe... Zitone qui dit et ça pue, pardon. Oui. Bah, mais bon, les médecins en verront d'autres. Un peu de sérieux. Un peu. Mais en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est donc qu'ils ont une application et qui est collaborative. Aujourd'hui, ils sont capables de mettre 20 personnes dedans et en gros, ils ne l'avaient pas fait avant. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans cette université, mais ils n'ont pas de réseau suffisant pour pouvoir faire de la VR collaborative. Ce que je peux comprendre, parce que voilà, pour faire de la VR collaborative dans des conditions correctes, il faut au moins 25 mégaoctets seconde. Donc, il ne faut pas non plus une connexion de dingue, et dans des bâtiments publics, tu l'as pas tous les jours. Bref. Et donc, ils sont associés à T-Mobile pour pouvoir récupérer accès au réseau 5G et une borne 5G pour qu'ils diffusent derrière en Wi-Fi 6 sur les casques qui sont des HTC Vive Focus 3. Donc, c'est un bel exemple pour HTC, c'est un bel exemple pour la 5G et c'est un bel exemple pour tout ce qui va être cumul de techno, c'est-à-dire 5G plus VR. Pour arriver à un résultat qui est sur l'apprentissage, donc plutôt sur quelque chose qui va avoir tendance à se développer, à mon sens, ou en tout cas qui aurait tout intérêt à le faire, surtout sur des sujets aussi sensibles, et on va pouvoir faire un paquet de choses qu'on n'est pas capable de faire dans la vraie vie. Typiquement, ce qu'on voit là à l'écran, où on a une surbrillance pour voir juste où sont placés correctement tous les organes, okay, dans la vraie vie, on ne peut pas faire un truc pareil. Donc la technologie est un vrai plus, c'est un très beau cas d'usage. Sachant qu'ils peuvent, aussi, j'avais regardé du coup ce qu'ils faisaient Fisk, et tu peux carrément attraper l'organe et l'agrandir en fait pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est clairement, comme tu l'as dit, impossible à faire en pleine vie. Et en plus,
ça permet aussi de s'absoudre un petit peu de ce problème d'environnement physique, parce que bah, conserver des cadavres, déjà ça coûte très très cher, et puis il faut des locaux, etc. pour ça, et tu peux pas accueillir plein d'étudiants d'un coup dans les lieux. Et du coup, bah, là, la première université aux États-Unis qui l'utilise, bah, justement, n'avait pas les moyens, en fait, ni les lieux, les locaux, pour pouvoir organiser ce genre de truc. Du coup, c'est... Et eux, ils sont équipés en Vive Pro, et ils font ça à 100 élèves en simultané. Genre, c'est vénère. Ouais, c'est... Par contre, ça me perturbe de voir un cadavre, tu vois, et il y a marqué FISC juste au-dessus. Voilà. Quand on est français, qu'on connaît le FISC, c'est un peu bizarre. C'est très, très, très étrange. Alors, Lenny, voilà. Je te rassure, ça fait longtemps que pour enseigner la médecine, on a arrêté de déterrer Mémy. Hein. Mais c'est, voilà, petite anecdote rigolote, pour ça qu'en Irlande, tu peux trouver des cages au-dessus des tombes. Hein. C'est pas pour les zombies, c'est pour éviter que tu ailles voler le cadavre de Mémy. Voilà, c'était la minute savoir inutile. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas de savoir inutile. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, on va revenir sur ce pronostic que nous avions fait la semaine dernière. D'une main de maître, une news avant tout le monde. ByteDance, le rachat Pico, il est officialisé, ça y est. On vous l'avait donné en exclusivité sur XR360. Grave. Bon, je plaisante, bien entendu. Bah sûr, on était dans les petits papiers de ByteDance. Voilà, bah, oui, c'est le patron qui nous avait d'ailleurs appelé pour nous passer l'info. C'est ça. Mais blague à part, du coup, nous, on vous en parlait en tant que rumeur. Cette fois-ci, c'est officialisé, n'est-ce pas, monsieur Rames? Alors, dis-nous tout, tu n'étais pas là. Dis-nous tout, dis-nous ce que t'en penses. C'est vrai que j'étais pas là la semaine dernière, j'avais oublié. Ce que j'en pense, c'est que moi, tout ce que j'attends, c'est une concurrence sur le marché des casques autonomes. Cette concurrence, Pico pouvait nous l'apporter, mais elle était pas. Pico n'est pas implémenté. Alors, il s'implémente en B2B un petit peu partout sur la planète, donc c'est-à-dire dans le marché du professionnel. Par contre, auprès du grand public, c'est réservé à l'Asie. Peut-être qu'avec ce rachat, ByteDance, on verra, hein, là c'est des suppositions, mais peut-être qu'ils voudront s'exporter un petit peu plus et du coup proposer un Pico Neo 3, voire un Pico Neo 4 sur la planète entière, ce qui serait potentiellement une bonne idée. Par contre, moi, là où personnellement j'attendais une concurrence, c'était peut-être pas forcément chez quelqu'un comme ByteDance. Voilà. C'est donc peut-être un petit peu déçu là-dessus. J'attends des nouvelles de Lynx, qui arrivera avec clairement une autre politique. Et là, par contre, moi, c'est là-dessus. Ouais, mais sur ByteDance, voilà. Moi, je m'attends. Ouais, ouais, mais regarde, Facebook qui a racheté Oculus. Est-ce qu'au final, c'était. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul. Alors aujourd'hui, avec le recul, l'achat d'Oculus par Facebook en 2014, donc c'était pour 2 milliards de dollars environ. Ces 2 milliards sont devenus quasiment 3 à 3 parce que justement, il y avait des frais en plus, etc., qui sont ajoutés. Là, Biden, ça a été rajouté 775 millions. Donc, beaucoup moins cher qu'Oculus. Ah, c'était les soldes d'été. Hein. Ouais, c'était un prix discount. Hein. C'est ça, voilà. C'était un Black Friday qu'ils ont dû acheter ça. Ouais. Ça reste quand même une grosse somme, on va pas se mentir. À l'échelle de Pico, oui, je pense. Voilà, parce que du coup, oui, effectivement, on peut être encore inquiet pour tout ce qui est donné, tout ça, on est d'accord, mais pour l'évolution, la VR, tu sais, pour justement pouvoir injecter des fonds pour que Pico puisse encore monter en compétences ou peut-être, tu vois, je ne sais pas, en techno ou en R&D. Il faudra voir justement là où va se diriger Biden, parce que Biden avait racheté TikTok, je crois que c'était il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, et TikTok a lancé un service... pour les développeurs, etc., pour faire de la réalité augmentée. Donc, Biden, ça a déjà un petit pied dans les technologies immersives avec l'AR, et du coup, il faudra voir ce qu'ils font faire avec la VR. Oculus, pour le coup, quand ils ont été rachetés par Facebook à l'époque, bon, bah voilà, Mark Zuckerberg, il s'en cachait pas du tout. La VR, c'est quelque chose dans lequel il croyait énormément. Là, Biden, pour le moment, n'a pas encore communiqué sur l'achat. On n'a pas eu un gros directeur général qui est connu mondialement, qui a fait « Ouais, la VR, c'est trop bien, vous allez voir, on va jouer sur EcoVR, c'est cool ». C'est pas la même politique, c'est pas la même communication, donc on verra ce qu'ils en font. En tout cas, c'est pas forcément la concurrence que j'attendais, mais c'est toujours bon d'avoir de la concurrence, surtout dans le marché des casques autonomes, qui est un marché qui était uniquement maîtrisé d'une pointe de fer par Facebook. Donc, ce qui est vrai, voilà. C'est qu'il y a plein de trucs qu'on peut reprocher à Facebook et à Mark Zuckerberg, mais pour le coup, Mark Zuckerberg insufflait un vrai enthousiasme. C'est un mec qui aime la VR, tu vois. Donc ça, déjà, on peut pas lui reprocher. Voilà, c'est ça. Donc oui, Biden, tous les travaux d'Oculus, les travaux de Facebook Reality Labs, etc. Quoi. C'est plus parce qu'il faut se positionner. Peut-être tu penses plus à un truc comme ça. C'est un mec qui dit il y a de la thune à faire. C'est là où est le futur. Il faut qu'on se positionne. Déjà, Biden, c'est une entreprise chinoise qui est financée par des fonds américains. Donc c'est vraiment une entité purement économique. Ils font du fric pour faire du fric. C'est leur business. Ouais.
et rachètent des boîtes, etc. Facebook, eux, ils sont là pour le fric, hein, comme n'importe quelle entreprise sur la planète. Mais ils ont vraiment ils ont un secteur d'activité bien propre à eux. Ils sont en train de se diversifier. Biden, eux, c'est vraiment des gestionnaires. Hein, c'est pas pareil. Louis, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus, vu qu'on t'a pas eu non plus sur le sujet? Un petit mot rapide, parce qu'il est 55. Il nous reste. Eh ben, voilà. Content, pas je sais pas bien quoi en penser. Je pense surtout que ça va mettre un frein au business en Europe. Parce que Biden, vu l'ampleur que c'est aujourd'hui, c'est en Chine, c'est proche du gouvernement forcément, ils viennent d'acheter une techno de réalité virtuelle, on a du mal à faire, à faire confiance à Facebook et à Oculus pour les données, on a autant de mal à faire confiance aux Chinois. Moi je pense que côté business en Europe, ça va pas être une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est pas comme s'ils avaient percé de ouf non plus. Ouais, Pico était déjà chinois, donc... C'est ça. Ouais, mais plus petit, plus sous les radars. Tu vois, une fois que c'est Biden. Ouais, mais est-ce que tu penses que le gouvernement chinois aurait accepté qu'un Européen mette la main sur Pico? Jamais de la vie, en vrai. Alors non. Bah, ils ont des lois d'ailleurs pour l'interdire. Petite... Sauf que tant que c'était qu'une petite boîte, il y a peu de chances que le gouvernement chinois fasse chier Pico. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Et... je pense que moi, c'était un peu couru d'avance l'histoire. Elle était un peu courue d'avance que ça. Vu comment ouais, ça bah, prend. On a... Après. Profiter tant que ça durait. C'est, voilà. Après, on a l'air de partir. C'est compliqué. On a l'air de partir du principe qu'ils vont nous faire une Facebook derrière, mais peut-être pas forcément non plus. Hein. Peut-être que Pico restera Pico, qu'ils les ont rachetés du coup pour effectivement en tirer les bénéfices, etc. Mais ne les influenceront pas plus que ça. Peut-être qu'ils réussiront à rester autonomes. Peut-être que Biden réussira à financer de la R&D aussi derrière. Bah, dans tous les cas, je suis sceptique. Hein, on est d'accord, hein, Louis. Hein, mais mais voilà, moi comme je l'avais dit pour le rachat d'Oculus par rapport à Facebook, j'étais plutôt c'est... content de voir une startup du coup pouvoir se structurer quoi. Pico, ouais. Je les connais pas assez en fait pour savoir si justement c'était le bon moment, si vraiment ils étaient arrivés à saturation, à asphyxie en fait de leur modèle, de leur modèle de fonctionnement. Il n'y a pas de Pico entreprise et de Pico pas entreprise. Ils vendent en Chine et même chose pour tout le monde. Très bien, bah écoutez, pour répondre juste à Technoïde, l'avenir serait donc sur la VR autonome. Eh bien écoute, si tu regardais souvent l'émission, tu aurais la réponse oui, et le marché va dans ce sens pour le grand plaisir de certains et pour le désarroi de d'autres. Mais rassurez-vous, la VR PC n'est pas morte, elle est juste dans un coma profond. Exactement. Elle est en modding. Tout à fait, tout à fait. Et on fait un bisou à VR for Player, voilà. Parce qu'on les aime bien. Mais il n'y a aucun problème, hein, tu découvres et c'est très cool d'ailleurs. Merci à toi de découvrir. Oui, bien sûr, on est ravis de t'accueillir. Surtout que c'est moi qui t'ai ramené, alors du coup, voilà. Allez, du coup, on continue. On passe à des choses un peu plus fun et un peu moins prise de tête. Resident Evil 2 et 3 en VR. Ah oui, j'avais essayé de faire une transition, la VR est en modding, et puis personne ne l'a remarqué. Merde, c'est moi. Mais c'est pas grave. Donc voilà, ouais, cette semaine, on a la communauté du coup Flat Screen 2 VR, qui est la grosse communauté de modeurs hein, qui s'occupe de faire du jeu écran plat et les transposer en réalité virtuelle, qui nous ont dévoilé des petites images d'un mode en préparation. Donc ça a été développé par PrayDog, qui est un modeur du coup de la communauté. On voit sur les images que les bras font un petit peu, là c'est un petit peu de la guimauve, mais c'est normal, il n'a pas encore utilisé les solvers pour changer tout ça, et du coup ce sera un mode sur le moteur de Resident Evil, les remakes, donc le 2 et le 3. Ils annoncent que si pour le moment ils travaillent sur un mode pour le 2 et le 3, comme le moteur utilisé est le même sur le 7 et le 8, ça pourrait aussi venir sur le 7 et le 8. Le modeur, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur les conversations de Discord, il avance extrêmement vite. Il y a déjà quelques versions qui ont tourné un petit peu sur le Discord et ça a l'air de pas trop mal marcher. C'est en 6DOF, donc vous pouvez vous déplacer directement chez vous, tout est pris en compte. Utilisation évidemment des motion controllers. Il pense à refaire aussi les menus du jeu. Bref, ça annonce des bonnes petites choses. Ça va être une période hein, pas mal chaude là pour l'horreur avec Resident Evil 4 qui arrive aussi sur Oculus Quest. Si jamais du coup vous n'avez pas fait le 2 et le 3 et qu'il sort avant, ça peut être une bonne occasion de se les retaper parce que les remakes étaient excellents hein, quand même. C'était pas n'importe quoi ce qu'ils nous avaient offert comme remake, c'était plutôt cool. Du coup voilà, c'est en préparation et dès qu'on a plus de nouvelles, on vous en donnera des infos là-dessus. On le testera, je pense aussi de toute façon sur la web TV. Moi je suis ultra hypé là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez.
On cherche des gros jeux en PC VR, bah, en attendant on a des modes, on aura plus, bientôt plus de modes que de jeux VR, mais bon, moi ça me plaît toujours. Ah, moi je kiffe cette industrialisation qui est en train d'être faite, du coup à apporter justement des jeux flat du coup en VR. Je trouve que pour le gaming c'est une bonne chose quand ils sont de qualité. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, moi j'ai hâte de voir Virtual Go sur Resident Evil, on va encore bien rigoler. Et carrément. Par contre, ouais, c'est ce que j'allais dire. Autant Resident Evil 4, je suis très très content qu'il soit en VR parce que c'était une purge intersidérale à la manette au niveau des contrôleurs. Autant le 1 et le 2, vu que c'était des remakes, bah, peut-être un petit peu moins. En tout cas, ils sont un peu plus sombres, un peu plus flippants. C'est pas le même univers. Donc moi aussi, j'ai hâte de voir Virtual Go. Autant je vous promets que je vais faire le 4 en stream, autant le 2 et le 3, bon. Je passerai mon tour. Je passerai mon tour. Je ferai le 4. Bah écoutez, en tout cas, moi, j'embrasse ce modeur. S'il m'écoute et qu'il nous regarde, hein, téléportation. La téléportation. Un petit bisou. T'oublies pas, hein. N'oublie pas. Et du coup, tu seras mon meilleur ami pour toujours. Voilà, on continue. Et bien là, on va parler. On parlait de bonnes nouvelles. Et bien, est-ce qu'on parlerait pas de mauvaises nouvelles un petit peu pour équilibrer tout ça? Warhammer Tempest Fall, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah ouais, l'ascenseur émotionnel, hein, voilà. On se hype pour des choses et cette année, c'est l'année des reports. Covid, hein, Covid oblige, voilà. Carbon Studio, non, c'est pas pour le Covid, c'est parce qu'ils ont fait une petite bêta en fait. Donc Carbon Studio qui développe Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall, titre assez difficile à dire. Donc Carbon Studio, c'est les gars qui avaient fait, c'est l'équipe qui avait fait les jeux de magie The Wizard, dans lequel on utilisait énormément les motion controllers pour faire des sorts de magie, etc. Et là, on va faire donc la même chose, mais en plus, il y aura des éléments de parade avec des armes, un petit peu comme dans Until You Fall. Et ils ont fait une bêta privée, du coup, sur leur serveur de Discord, et ils ont eu beaucoup de retours de joueurs avec beaucoup de nouvelles idées, dont la communauté leur a apporté pas mal de nouvelles idées, etc. Ils se sont dit, bah écoutez, c'est tellement cool qu'on va essayer d'intégrer tout ça. Ils vont essayer aussi d'améliorer le système de progression. Ils veulent faire un système de progression assez évolué et récompensé. Ils ont déclaré qu'on serait récompensé quand on ferait de l'exploration. Donc on aura vraisemblablement des niveaux assez ouverts du coup, parce que sinon il n'y a pas d'exploration. Donc voilà, c'est reporté quatrième trimestre de l'année, donc fin d'année. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce jeu, si vous l'attendez ou pas. Moi, personnellement, je suis assez chaud parce que Carbon Studio avait pas fait n'importe quoi comme ça sur les The Wizards. C'était pas des jeux exceptionnels. Mais c'était loin d'être pourri. C'est bien équilibré. Coup, moi, ouais, plutôt bien équilibré. Ça manquait un peu de tonus au niveau du sound design, etc. Mais c'était plutôt bien léché, bien travaillé. Quoi. Toute la partie interaction VR était vraiment bien foutue. Quoi. Ouais, moi, je passais des moments à galérer, en plus, avec une vraie courbe d'apprentissage. Ah, putain, t'es là, essayer de penser à boule de feu. Mais pourquoi ça marche pas avec le monstre qui te court dessus? Non, voilà, il y avait vraiment un truc un peu rigolo. Donc oui, moi, je suis assez curieux de voir ce truc-là sortir. Et pouvoir mettre les mains dessus. En tout cas, il sera peut-être mieux que Warhammer Battle Sister. LOL. 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 Mais il n'y aura pas de mock-up. On t'a perdu, Mathieu. Ton Blue Yeti n'a plus de pile. Ah non, désolé. Ah. Putain, mieux. Toutes mes confuses. Ouais, non, mais j'allais dire exactement la même réplique que toi. Ah. En espérant qu'il soit beaucoup mieux que Battle Sister, parce que bah, ça casse pas des briques, celui-là, pour le coup. Sister, il est nul, il est pas ouf, mais pas du tout. Sister, non. Alors, Battle Sister, il est pas nul, c'est un bon gros FPS à papa en VR. C'est-à-dire que le portage, il est pas mauvais, mais par contre, clairement, t'es dans un FPS des années 2000, quoi. Avec du scripting à tout va, des vagues d'ennemis, des quêtes FedEx, enfin, bref. Tout ce qu'il faut pas faire dans le jeu actuel. Donc en fait, si tu veux te retrouver un petit peu, enfin moi j'avais apprécié même certains aspects nostalgiques en fait, enfin voilà. Mais voilà, si on retrouve un petit peu d'objectivité, on regarde en 2021, bientôt 2022, non, clairement il a 20 ans de retard quoi. Ouais, en dehors de la partie VR quoi. Voilà, on a répondu à ta question. Et en parlant de jeu pas ouf, j'aurais envie de dire que le suivant est pas mal peut-être non plus. Quoi ? En tout cas, j'étais un peu déçu, moi. Ah ouais ? Jurassic World Aftermath. Bah, on peut en parler.
On peut en parler, effectivement. Hein. Donc, du coup, exclu Quest, de souvenir, c'était même la première, hein. Celle qui avait fait buzzer à mort sur... Enfin, voilà, ça y est, la VRPC est morte, etc. Bon, bref, on va pas pour faire le discours. En tout cas, Jurassic World Aftermath, du coup, c'est quoi? C'est une trilogie, à la base. Du coup, ils avaient sorti le premier il y a un an, maintenant, si mes souvenirs sont bons. Ils l'ont sorti pour la Facebook Connect, la première Facebook, voilà, Connect, donc c'est ça. Donc il y a un an à quelques jours près, effectivement. Le 30 septembre est donc prévu la partie 2. Alors comme vous le voyez, effectivement, Mathieu a un avis assez tranché dessus. Vous pouvez en retrouver d'ailleurs la découverte que j'avais fait du jeu en stream sur l'article directement sur Deliver, si jamais ça vous botte. Et Dark Wolf aussi. Dark Wolf l'avait bien kiffé. Ouais. Louis Ramez, est-ce que vous l'avez fait? Non, du tout. Mais je ferai le 2. Si j'avais pas fait le 1, c'est parce que quand il était sorti, les personnes qui l'avaient testé au début m'en avaient pas fait des bons retours. Après, j'ai vu les streams de Dark qui m'ont pas mal donné envie. Par contre, là où ça m'avait cassé, c'était que il y avait ça se coupait d'un coup, en fait, ça se coupait net, et ça m'avait un petit peu embêté. Avant de faire le 2, il va falloir que tu fasses le 1, parce que le 2 c'est la conclusion de l'histoire. Ouais, bien sûr, c'est ça. Alors il sera vendu en bundle, si jamais. Bah oui, forcément, parce que du coup c'est vraiment une trilogie. C'est un petit peu comme faire le Star Wars numéro 2 sans avoir fait le numéro 1. Quand même très 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 dommage. Non, même la bonne nouvelle, c'est que d'après ce que j'ai compris, la partie 2 sera la finale. C'est la conclusion. C'est pas une trilogie, c'est une deux origines. Ah, d'accord. Donc du coup, ils ont arrêté de le vouloir en trois épisodes. Le numéro 2 sera le dernier. D'accord. Ouais, j'ai dit une connerie. Bah merci de me... Ok. T'en supplie. De me reprendre dessus. Non, mais Louis, je te le conseille. Honnêtement, il est plutôt marrant. Moi. Pour être tout à fait franc, c'est même l'une des expériences que je propose généralement à ceux qui découvrent la VR mais qui n'ont pas de motion sickness. Ça fait très très du coup tu apprends progressivement du coup à manier un petit peu tes contrôleurs, etc., à réellement t'accroupir. Parce que je déconseille l'usage du bouton tu vas pouvoir t'accroupir pour avancer, etc. C'est pas trop mal, le truc est plutôt bien géré. C'est sûr qu'on est très très loin. Hein. Pour ceux qui découvrent le jeu, sachez qu'on est, sur un gameplay un petit peu à la Alien Isolation, je vais y arriver. Mais par contre, avec des ennemis beaucoup plus cons, hein, on va pas s'en cacher. En même temps, c'est les Raptors. Hein. Faut pas vérifier, mais je crois qu'il y a de la téléportation, je crois, hein, dessus. Il me semblait quand je l'avais testé. Je l'ai pas testé longtemps, en fait. J'ai eu un avis un peu déceptif assez rapide. Je vois mal la téléportation dans le jeu. À vérifier, parce que du coup, je sais même pas. Mais je la vois assez mal. Je l'avais testé un petit peu. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas testé longtemps. J'ai un avis. J'étais un peu déçu, mais j'ai pas. Mais qu'est-ce qui t'a déçu du coup dans le jeu? Parce que côté ambiance. Ah, le côté, en fait, les trois quarts du temps, il se passe pas grand-chose et que c'est vraiment. Voilà, c'est. Un jeu d'action. J'ai peut-être pas la patience. Ah oui, c'est pas un jeu d'action. La patience de l'infiltration. Voilà. Ouais. J'ai un peu de mal avec rester planqué pendant. Ouais, mais tout en été, je ne l'ai pas testé très longtemps. Mon avis n'est pas. Voilà, peut-être pas. Faudra que je le reteste. Après, entendons-nous bien, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est vrai que quelqu'un qui a un petit peu les fouettes en VR, etc., qui veut découvrir un petit peu comment ça marche, etc., bah, typiquement Dark Wolf, hein, Dark Wolf qui est très, très sensible en fait aux applications d'horreur, etc. qui nous avait poussé des cris. Enfin voilà, c'était l'application entre guillemets rêvée, parce qu'elle va pas trop trop loin, mais elle y va quand même. T'as quand même de très bonnes sensations. Par contre, bon bah, on est très très loin d'un jeu d'horreur, d'un screamer, quoi. Et il faut le savoir, aucun être humain n'a été maltraité durant cette expérience. Il faut le savoir, parce que souvent c'est les animaux. J'imagine qu'ils le seront pour Resident Evil 4, par contre. Sans doute. Sans doute. Allez, on continue. On essaie de terminer cette émission pas trop tard pour Lenny, le pauvre. Du coup, on va parler d'un SimCity en VR, c'est ça, Rames? Dis-nous. Ouais, alors le terme SimCity est peut-être un petit peu gros, hein, pour le gabarit du jeu. Mais tout à fait, tu as bien raison. Le putaclic. Donc, c'est un SimCity en VR. Donc non, c'est Space Fog City, ça s'appelle. C'est développé par le studio Cortopia, donc Cortopia qui avait fait Down the Rabbit Hole, un petit jeu d'aventure assez sympa avec pas mal de puzzles, assez haut en couleur.
Et cette fois-ci encore, ce sera assez haut en couleur. On devra pouvoir du coup gérer notre ville, construire des bâtiments, relier le réseau électrique, ce genre de choses. Ça a l'air plutôt sympa, ça a l'air plutôt bien réalisé. Sans être forcément le jeu de l'année non plus, hein, mais ça a l'air d'être pas trop mal fait, bien pensé. Il y a un petit pitch de départ, les développeurs ont fait un petit scénario. En fait, vous êtes dans un système solaire où le soleil va se transformer en supernova, et du coup, un soleil qui se transforme en supernova, c'est un soleil qui est très, 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 très instable, on va dire. Et du coup, toutes les villes qui sont situées autour du soleil dans le milieu stellaire ont explosé, et du coup, vous allez devoir recueillir en fait les réfugiés. Donc c'est réfugié.vr, réfugié vert. Stop, on arrête là. Stop, glissade. Mais en tout cas, ouais, le concept me donne pas trop mal envie. Ça va être disponible du coup sur Quest et PC VR cet automne. Alors cet automne, pour une trentaine d'euros. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que à la fois le concept m'intéresse, par contre, les jeux de gestion en réalité virtuelle, c'est des jeux, les développeurs nous promettent pas mal d'heures de contenu, et du coup, la réalité virtuelle, quand tu mets ton casque et que tu restes longtemps dedans sans trop bouger, autant on la voit pas passer quand tu tapes, je sais pas, 4 heures sur du Pavlov, etc., ou d'autres jeux, ou le Neko, ou j'en sais rien, mais quand tu restes assis sur ta chaise, etc., pendant 4-5 heures, à faire juste de la gestion, je demande à voir ce que ça va donner, du coup, parce que c'est un modèle qui est très connu sur un écran plat avec clavier-souris, à voir ce que ça vaudra en VR. Je veux juste dire à Technoïd qui dit tuer une ville, ça m'intéresse, torturer des gens. Je suis pas sûr que le concept c'est vraiment ça, mais voilà. C'est pour ça que les gens jouaient à SimCity, non? Moi, c'est pour ça que j'ai joué. Mais par contre, étant gamin, je ne torturais pas de fourmis. Donc, c'est rassurant. Ouais. C'est rassurant. D'ailleurs, les fourmis te remercient d'ailleurs. Ils viennent dans mon premier message. Tu diras à Zel, merci. Salut Lolo, bienvenue. Salut Lolo. Salut Lolo. Loloa, pardon. Non, SimCity, moi, ça me rappelle quand même pas mal de souvenirs, en vrai. C'est vrai. C'est le genre de jeu que je trouvais ultra chiant, en fait. Allez, parlons de Beat Saber Skrillex. Encore un DLC ? Mais ça arrête. Ouais, c'est ça, le dernier DLC qui est sorti. Donc, il nous l'avait teasé il y a une semaine, avec juste une petite teasing de 8 secondes, sans rien donner comme information. Et du coup, c'est le groupe Skrillex. Qui a été retenu, de la bonne musique bien énervée, hein, bien électronique encore une fois. Il y a 8 morceaux dans ce nouveau pack qui coûte un petit peu moins de 10€. Dedans, on va avoir la dernière musique, alors je la connais pas personnellement, qui est sortie le 19 août dernier mondialement avec en featuring Justin Bieber. Voilà, si jamais il y a des fans de coupe de cheveux à la Justin, ça pourra être. Cassez-vous, déjà, premièrement. Cassez-vous. Ouais. Non, je déconne. Le jugement. Mais non. Vous m'étonnez qu'on décolle pas dans cette. Je l'ai pas encore testé, je viens de recevoir ma clé tout à l'heure pour tester un petit peu les nouvelles musiques. Encore une fois, je précise que si votre jeu est modé, le mettre à jour, ça va casser tous vos modes. Hein. Il faudra attendre une petite semaine que les modeurs. Que les modeurs remodent votre jeu pour le remettre à la mode. Bref, un bon petit DLC, ils ont choisi un bon groupe. On attendait, il y avait pas mal de monde qui attendait les Daft Punk au vu du trailer. Petite déception éventuellement pour eux, mais on va pas se mentir, Skrillex c'est quand même pas trop mal non plus. Désolé Nardi. Désolé Nardi. Couper les cubes, ça sera très très bien du Skrillex. Complètement. Non, mais j'avoue. Voilà. Allez, on continue dans le monde des DLC et on va parler de No Man's Sky, DLC Frontières. Voilà, pour les PCVR, ça c'est courageux ça. Est-ce qu'on peut encore parler du coup de DLC à ce point-là? Enfin, quand on sait, j'arrête pas de le dire, quand on sait à quel. De quoi, en fait, Hello Games est parti en sortant No Man's Sky et à quoi ils arrivent, c'est absolument hallucinant. Eh bien, nouvelle mise à jour, nouvelle grosse feature et surtout directement compatible. En VR, et ça c'est plutôt cool. Et vous allez pouvoir faire du coup dans cette mise à jour nommée Frontier? C'est tout simplement pouvoir créer votre colonie. Vous allez pouvoir donc du coup gérer, en fait, c'est un petit peu comme comme si Elite Dangerous du coup faisait un enfant avec Civilization. Et bien bam, No Man's Sky Frontier, vous l'avez à l'heure actuelle sous les yeux, mais pas sur sa version VR du coup. Vous allez pouvoir gérer les colonies. Ils ont garanti du coup que les PNJ, pour ne pas les dénaturer, du coup, ils ont garanti quand même une autonomie, une sorte de libre arbitre
etc., pour que la planète reste quand même vivante. Vous pourrez bien évidemment exploiter cette colonie à plusieurs. J'ai sûrement omis certains détails, hormis le fait que si vous n'avez pas connu No Man's Sky, ou si vous avez connu No Man's Sky à sa sortie, il va vous falloir une paire d'heures de jeu quand même, hein, pour vous remettre un petit peu dedans, parce que ça commence à devenir un jeu très, très velu, je trouve. Bah moi, je rêve qu'on le fasse sur la web TV, et je rêve qu'un professionnel me prenne par la main. Ah, tu sais que j'avais fait une base ETR à l'époque, alors maintenant, il faudrait que je la transforme en délivrière, ça me fait chier, beaucoup plus de lettres, mais j'avais une base ETR, et tu la voyais de très très loin, hein, c'était très cool. Bah, tu vois, ça me ferait kiffer, tu vois, de faire des streams là-dessus, et d'aller avec quelqu'un comme ça, pour voilà, parce que ce jeu, il me fait triper quand je le vois, mais dès que je suis dedans, je suis... C'est velu. On s'y perd très vite, facilement, au début. Et puis moi, les jeux où tu me laisses totale liberté comme ça, moi je suis très jeu à couloir, tu vois. Donc, ça donne le vertige, en fait, ce genre de jeu. Ah oui, mais voilà, on n'est pas là pour parler de mes problèmes, parce que j'en ai pas mal. Mais on va finir par Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Est-ce qu'on n'est pas aussi sur un espèce de DLC qui ne dit pas son nom? Ah ben complètement, complètement. Partie 2 du coup, et conclusion, là aussi, pour ce Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Ils aiment bien les noms à rallonge chez Oculus. Donc là, c'est le vrai jeu, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est normalement... Alors, il y a beaucoup de monde qui avait été déçu de Star Wars Vador Immortal, parce que Star Wars Vador Immortal était une expérience cinématographique plus qu'un jeu, et du coup, le studio ILMX Lab qui s'était occupé de Star Wars Tales from the Galaxy Edge et de Star Wars Vador Immortal avait du coup mis beaucoup plus de gameplay dans ces épisodes-là. Malheureusement, le gameplay n'était pas foufou, on va pas se mentir, ça restait pas mal du way shooter, pas forcément de bonne qualité, on va dire. C'est, si vous avez aimé, c'est surtout peut-être parce que c'est du Star Wars avant tout, et pas pour le gameplay. Le scénario était aussi assez mauvais, c'était pas terrible, et il y avait une petite histoire secondaire alternative d'un autre personnage qui était le Jedi Adi Sunzi. On suivait ses aventures, c'était pas non plus très très folichon. Apparemment, le studio a déclaré qu'ils avaient fait pas mal d'efforts sur le scénario, qu'ils avaient beaucoup plus l'accent dessus, donc on verra ça. En tout cas, ça sort du coup le 15 septembre, donc très très bientôt. Allez voir le trailer, hein, il dure plus de 2 minutes. C'est un long trailer qui montre pas mal d'images, donc après, si vous voulez pas vous spoiler, bah, le regardez pas. On y suivra du coup les aventures du petit ferrailleur, hein, du petit ingénieur qui se retrouvait sur la planète Batuu et qui se faisait un petit peu embêter par des mercenaires. Là, dans ce second épisode, on verra arriver vraiment les prémices du nouvel ordre, enfin du premier ordre, pardon, donc qui était l'empire l'empire dans les derniers Star Wars. Et du coup, bah voilà, on va retrouver encore des personnages typiques comme C3PO et R2-D2. Et encore une fois, on aura la suite du coup des histoires du Jedi qu'on avait eu, Adi Sunzi, de son nom. Ça coûtera 10€ et il sera vendu en bundle à 35€. Du coup, bah, je le rappelle, le 15 septembre, c'est exclusif à l'Oculus Quest. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, bah, je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Parce qu'il est temps de passer la main. Aleni, merci les gars. C'est du Walking Dead ce soir, Aleni. Ah, très très bon jeu, The Walking Dead. Très très bon DLC, bien attendu, tout à fait. Le Onslaught, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, le vrai, vrai Walking Dead, le Sen Sentina. Ok. L'autre, il a la téléportation aussi, c'est ça le truc. Ouais, mais il a pas de musique et il a pas de fan. Donc bon, bah, choisis, hein, maintenant. Ouais. Putain, moi j'ai le choix soit des jeux qui ont la téléportation merdique, soit les autres jeux qui sont super mais qui me font vomir au bout de 2 minutes. Bravo, bravo, bravo les éditeurs de jeux VR, je vous applaudis d'une main, comme ça. Voilà. Il fait pas le DLC, hein, Mathieu, il fait le DLC, il arrive en fin de mois. Il retourne juste sur le jeu, justement, pour s'y préparer. Incroyable, Lenny a le DLC en avant-première et nous avons les droits. C'est ça. Alors, on aimerait bien, mais là, je pense qu'on se prendra un joli procès. Eh bien, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce XR 360-38. Parce que je ne crois pas qu'on ait donné le numéro de cet épisode. Donc, c'est le 38. Merci au chat d'avoir été là, nombreux avec nous, les gars. On a besoin, je le redis encore une fois, diffusez la web TV, faites parler de nous un petit peu. Si vous connaissez des gens qui sont qui sont sensibles ou qui s'intéressent de près ou de loin à la VR, on a besoin de votre force. Il faut que vraiment on arrive à élargir cette grande famille.
En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci Louis, Rames et Zazel. Merci d'avoir été là. La force 4, c'est beaucoup de jeux. Voilà. Puissance 4, c'est merci à toi que c'est vrai. Puissance 4, c'est un très bon jeu. Merci beaucoup, effectivement. Et ben, en tout cas, quittez pas, restez bien connectés. Merci aux gens de rester connectés, d'ailleurs, qui étaient là avec nous. Merci à ceux qui vont nous regarder, qui nous ont regardés en replay, en podcast. On compte sur vous aussi, pareil. Restez bien branchés sur la Web TV, puisque Lenny va faire des trucs tout de suite, juste après nous. On vous embrasse, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Bye bye. Lenny, tout de suite, qui nous fait des trucs avec des zombies. Tout ce qu'on aime. Et salut, je me suis trompé de scène.